Ouais. Question des droits politiques pouvait, dans certains pays, pas dans tous, mais dans certains pays, je sais pas, par exemple l'Allemagne de l'Est, s'accompagner de politiques sociales extrêmement progressistes. Je m'étais pris la tête avec une pote, d'ailleurs, sur la question de l'homosexualité en Europe de l'Est, parce que, au nom de l'antistalinisme, elle critiquait la répression des homosexuels en Allemagne de l'Est, et je lui ai fait remarquer que, en Allemagne de l'Est, l'article L200. C'est combien déjà les... Je sais plus. Enfin, l'article de la République de Weimar qui criminalisait l'homosexualité, qui avait été aggravé par les nazis. En Allemagne de l'Est, ils sont revenus à sa forme de Weimar pratiquement dès la fondation de l'Allemagne de l'Est. Et la loi a été abrogée l'année d'avant, l'année où l'Allemagne de l'Ouest s'est enfin décidée à revenir depuis la loi nazie qui avait cours encore en Allemagne de l'Ouest à sa version République de Weimar et qui n'a été abrogée que dans les années 1990. En 80, au début des années 80, 90, il y avait encore 30 personnes par an qui se retrouvaient incarcérées parce qu'homosexuelles. Sachant que c'est une réduction drastique par rapport à la décennie précédente. En fait. Il y a vraiment une chute libre sur la fin. Ça se comptait en centaines, voire en milliers de personnes au début des années 80 qui étaient d'atomes pour homosexuels en Allemagne de l'Ouest. Quand en Allemagne de l'Est, la loi avait été abrogée. Donc, je ne dis pas que c'était mieux pour un homosexuel de vivre en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest, parce que c'était pas le cas, parce que les homosexuels sont des êtres humains normaux, et qu'ils subissaient donc la répression politique que tous les Allemands de l'Est subissaient. Et c'est pas parce qu'ils étaient homosexuels que c'était pire. De ce point de vue-là, l'Allemagne de l'Est était mieux que l'Allemagne de l'Ouest. Mais c'est le propre du campisme, voilà, quel que soit le camp qu'il choisit, c'est le campisme voilà, de pas faire dans le détail et de considérer que tout est pire, forcément. Voilà, je sais pas, par exemple, l'Iran, il y a plus de femmes, aussi bizarre que ça puisse sembler, il y a plus de femmes impliquées en politique, au niveau local qu'en France. Ça ne veut pas dire que les femmes sont plus libres en Iran. Elles ne sont pas. Ce Alors, serait clairement pas. pour Là. ce qui est, pour ce qui est de la question très spécifique de la parité politique, la situation est meilleure en Iran. Moi, je me retrouve toujours confronté à cette situation quand on évoque des faits intolérables dans nos propres rangs, quoi. À les minimiser au nom d'une hypothétique plus-value ou excroissance dans les rangs adversaires. Jusqu'à produire des espèces de caricatures complètement ahurissantes, qui jouent toujours contre nous, par ailleurs. Parce que, évidemment, les adversaires politiques ne manqueront pas de nous faire remarquer que ce sont effectivement des caricatures, que sur certains points, on ferait peut-être bien de balayer devant notre porte, ça serait pas plus mal pour tout le monde. Ouais, pareil, pour prendre un exemple, là, récemment j'ai vu un de mes mutus sur Twitter, une personne en centre-suisse, qui a partagé la capture d'écran d'un tweet de J.K. Rowling qui disait texto, si ces salopes d'américaines veulent pas avoir besoin d'avortement, elles ont qu'à pas ouvrir les jambes. Alors, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, je suis pas au courant de c'est évidemment un faux. Qu'est-ce que C'est c'est que ça? évidemment un faux. Non. C'est pour dire, ouais, J.K. Rowling, vous avez vu, elle est anti-avortement aussi. Alors qu'en fait, J.K. Rowling est quelqu'un de tout à fait détestable, mais pas du tout pour cette raison. Ça, Quelle quel, quel sac salut à toi, coquine. Patasceptique, bienvenue à bord. Quelle sac coquine avec des anti-avortements. Oui, ça par contre, c'est établi. Mais elle s'acoquine au nom de la lutte contre l'idéologie transgenre, comme ils disent. Parce que c'est une lutte qui est prioritaire surtout pour elle, et donc pourquoi pas envoyer des bisous à une anti-avortement notoire. Voilà. Mais ses positions sur l'avortement, elle les a déjà fait connaître. C'est juste qu'elle va pas mouiller le maillot pour les défendre.
et en tout cas certainement pas comme elle moule le maillot pour attaquer les trans. Il y a tout à fait des raisons de la détester. Mais de là à partager un faux manifeste, évidemment que ça va revenir, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, ça va revenir nous mordre le cul ça. Parce que c'est tellement évident que c'est un faux, que ça va lui encore lui servir d'argument pour se victimiser à l'autre. Bah oui. C'est... Salut à toi, Renali. C'est pareil, il y a énormément de caricatures sur chez les athées, sur ce que pensent les croyants, catholiques, par exemple. Il y a énormément de caricatures dans le gauchisme sur la position des fascistes. Bah, écoutez, beaucoup de gauchistes, ils sont complètement cons. Tous, autant qu'ils sont. Ouais, j'aimerais bien. Mais en fait, ils ont aussi leur penseur. Et autant, c'est sûr que ça va jamais très très loin sur un plan purement théorique, et sur un plan tactique et organisationnel, c'est quand même les premiers à avoir pensé et théorisé la présence sur les réseaux sociaux, et c'est la raison pour laquelle ils ont été hégémoniques dessus pendant aussi longtemps. Quoi. Et c'est des bons tacticiens, faute d'être des bons théoriciens. Quoi. C'est dangereux de les prendre pour des cons, en fait. C'est très dangereux de les prendre pour des cons. Bonsoir Aurélie. Mais comment ça, on a commencé trop tôt? Mais on fait que papoter, on papote, on papote. On papote, on dirait. Alors bon, vous n'aurez pas... Vous aurez remarqué que on n'a pas la tête de Gaël. Donc afin que vous ne croyiez pas que c'est mon ami imaginaire et que je parle tout seul, j'ai fait une extension de Gaël extrêmement convaincante. Extrêmement, oui. Bah, j'ai fait ce que je... Je suis flatté. Ça ne déroge pas la bouillure, elle est un peu loin. Normalement, ça devrait aller. Elle est un peu loin du micro. Ça va. Donc, pas de possibilité de te trouver une caméra ce soir. On n'y croit pas. Bah non, Dorian est au taf. C'est la seule personne à qui j'aurais pu demander. Et il n'est pas là. C'est con parce que j'aurais eu aussi un meilleur micro s'il y avait plus. Bah tant pis, on va faire avec, et puis quand j'en aurai marre de secouer ma main avec ma manique en plastique, vous n'aurez qu'à faire un effort d'imagination. Voilà. Il y a cinq autres épisodes avec Gaël, vous avez qu'à y faire un tour. Si vous voulez, vous pouvez mettre en arrière-plan un vieil épisode, vous regardez ses lèvres bouger. Comment ça casse? Parce que le cinquième, ma caméra avait déjà brillé. En fait, c'est à cause d'un orage. Comment ça, qui agite la marionnette? Mais enfin, Aurélie, ça n'est pas une marionnette, c'est Gaël, c'est vrai. Il a juste changé de coiffure. Je ne reconnais pas son amoureux, je suis vexé. Alors, la petite chauve-souris est retournée vive parmi ses camarades chauve-souris. Donc, tout va bien pour la chauve-souris. Ça va. On est bien content pour elle. C'est important d'aller bien. Comment ça, les yeux, on dirait des rouleaux de PQ? Mais c'est parce qu'il est fatigué, il n'a pas assez dormi. Bon, écoute, j'ai pris ce que je trouvais. Hein. J'ai en espérant qu'il n'y ait pas trop de différence avec la nouvelle version, parce que j'ai toujours l'ancienne, moi. J'ai appris à la dernière minute tout à l'heure que Gaël n'aurait pas de caméra cette semaine non plus. Donc, j'ai pris les deux trucs qui traînaient dans la cuisine, et puis voilà, donc il y a une manique, il y a un bouchon. Ça va, ça le fait, c'est très bien. Merci. Bon, après, je suis pas le mari. Je suis pas un marionnettiste de génie non plus. Hein. Je pense que les mouvements d'élèves, ça va ressembler à un film d'horreur doublé des années 80. Hein. Italien, par exemple. Oui, italien, par exemple. Ouais. Il y a d'excellents films d'horreur italiens. Hein. Bien sûr. Moi, je suis un fan absolu de Lucio Fulci. Hein. Ah, Fulci, oui. Oh oui. Même ces mauvais films ont du charme. Mais en plus, il y en a des vraiment bons. Bah ouais, carrément. Moi, j'aime bien Don't Torture a Duckling. C'est vraiment un de mes préférés. Ah oui? Ouais. Trop cool le stream avec Samuel Etienne sur l'histoire du fanzine. Ah, ça t'a plu? Ah, génial. T'as appris l'existence de fanzines scientifiques? Bah oui. C'est dingue, ça. Il existe des fanzines scientifiques. Et ouais. Bien sûr. Et ils sont beaux, hein. C'est comme les musées, en fait. Ça peut porter sur n'importe quoi.
Voilà. Bah, je pense que l'émission t'intéresserait. C'était vraiment chouette. On a passé un bon moment et Samuel repassera. On se fera des on déballe et on sortira nos objets les plus bizarres de nos fanzinothèques. Je déballe ma bibliothèque. C'était qui déjà qui avait fait un livre qui s'appelait Je déballe ma bibliothèque? Ah, je déballe sa bibliothèque. C'est pas. C'est pas Benjamin? Ah, je sais pas. Je crois que c'est Benjamin. Publié aux éditions Alias, je vais trouver ça avec Google. Tu as encore 4 minutes. Tu peux tout à fait trouver. Pour googler Je déballe ma bibliothèque Alias, ça devrait être facile. Ou ça devrait être rapide. Alors, Samuel. J'avais déballé la mienne de bibliothèque, j'aurais même pas besoin. mais c'est pas le cas. C'est Walter Benjamin, tout à fait. D'accord. Salut à toi, Louisa. Alors, non, c'est pas le même Samuel Etienne, Simon. C'est pas le même. C'est un autre Samuel Etienne, plus à gauche. C'est pas super compliqué. Non. Bon, ça lui laisse une marche confortable. C'est ça. Bon, ça a pas l'air d'être le mauvais bougre, hein, ce Samuel Etienne-là. Je le connaissais pas, en fait. J'ai découvert parce qu'on n'a pas arrêté de me dire « Ah, c'est le Samuel Etienne de Question pour un champion ?» Donc, j'ai été voir. Après, on me dit « Ah, c'est le Samuel Etienne journaliste ?» Donc là, je soupçonnais pas que ce fût le même. J'imaginais pas qu'un type qui animait Question pour un champion fût un journaliste. Ben si, ben voilà, bon, je l'ai appris. Voilà, mais je le connaissais pas. Moi, je connaissais l'autre Samuel Etienne. Voilà. Le vrai Samuel Etienne. Le vrai Samuel Etienne, exactement. Ben, il faut aller voir la VOD, Simon, tu vas voir, c'est assez intéressant. On a traversé à peu près la même temporalité de l'histoire du fanzina, mais pas du tout la même géographie. Donc lui vient plutôt du fanzine punk, moi plutôt du fanzine qu'on appelait à l'époque Gravzine. Mais on a commencé à peu près en même temps, milieu, début des années 80, et puis on continue. Voilà. Ceci dit, il y a une passerelle. Une passerelle évidente entre les deux, Bazooka. Oui, par exemple, Bazooka, ouais. Bazooka, Gravzine, Punk, voilà. Celui qui a invité Hollande sur Twitch, ça c'est bien possible, j'en sais foutre rien. Il a invité beaucoup de monde sur Twitch, Samuel Etienne. Et il a reçu la critique avec grâce, mentit-il. D'accord. Ou plutôt ironisa-t-il. Il n'y avait pas Dave Duf qui avait fait une émission sur le fanzine aussi? Ah non, je sais pas, je ne connaissais pas de compétences dans ce domaine à Dufresne. D'accord. Mais ça m'étonne pas que ça l'intéresse. Il se présente toujours lui-même comme un ancien punk, voire comme un punk toujours, par ailleurs. Je vois pas du tout ce que ça peut bien vouloir dire, si vous voulez mon avis. Se présenter comme un punk? Oui, toujours. Se présenter comme un punk sur le socle d'une espèce de généalogie étendue, inarrêtée, quoi. Ça me paraît bizarre. Mais bon. Je sais pas. On peut parler du punkisme comme culture, hein, ceci dit. Il y a le do it yourself, etc. etc. Mais. Au bout d'un temps, ça devient plus une référence parmi d'autres que l'identité. C'est un truc d'adolescent, punk. C'est bizarre, un vieux punk. Oui, enfin... Ce qui est bizarre, c'est toujours d'étendre dans la durée aussi fort un truc qui s'est affirmé comme voué à une autodestruction rapide, quoi. Et qui, par ailleurs, est mort très rapidement. Oui, Punk is dead comme chantait Crass. Punk comme Green Day et Plastic Bertrand. Bah, on a évoqué Plastic Bertrand en riant un peu avec Samuel, qui m'a appris un truc, parce que pour les jeunes français que nous y étions à cette période, s'il y a bien un truc qui marquait la mort du punk, c'était Plastic Bertrand, là, qui disait « Bon, ça y est, ça, c'est vraiment le dernier clou sur le cercueil ». Et pourtant, Samuel m'a appris, lui qui a une meilleure connaissance de la culture anglo-saxonne, que pour les anglo-saxons, Plastic Bertrand fait partie du punk français. Ah, totalement. Il y a même eu des reprises par Sonicus. Exactement, il m'a évoqué ça. Ça fait partie de... Ouais. Mais le truc, en fait, c'est que le punk aux États-Unis, c'est un peu vrai en France. Hein. Contrairement à l'Angleterre, c'est plutôt un truc de... Il faut que j'arrête le bazar. Je suis en train de faire le con avec ma main gauche pour faire boucher là. Et j'enlève je laisse là. Le punk aux États-Unis, le punk de post-77 aux États-Unis, comme en France, c'est plutôt un truc d'étudiants des beaux-arts, là où c'était plutôt un truc de prol en Angleterre. Et
le simple fait de chanter en français, je sais pas, ça a l'air de séduire les étudiants des beaux-arts américains. Bah oui, Donc, j'imagine. c'est exotique, puis c'est la France, c'est la culture, c'est la confiture. Bah oui, la baguette. Voilà, baguette. Oh, Baguette. 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 Oh. Baguette. Bon. Ouais, ça revient tout le temps. Mais ceci dit, on va pas être aidé là avec Macron premier président des Français selon la volonté du Très-Haut là, qui a apostrophé Bill, Joe, pardon, Joe Biden, bien sûr. Ah. Joseph Robinet Biden, oui, c'est son vrai deuxième prénom. Robin. Pour lui faire part de confidences que lui a fait le roi des Émirats Arabes Unis, devant les caméras pour vraiment montrer qui l'en est, quoi. Qu'il en On va, est, ça qu'il en va. a. Allez, on va, on, la réputation de snobisme des Français aux États-Unis, ça va pas du tout aider, je pense. Ouais. Alors, mon Gaël, on est normalement un peu en Pas place. chez les Anglo-Saxons, chez les Américains en plus particulier, pas tellement chez les Anglo-Saxons. On situe le truc. Alors, ce soir, on va peut-être finir un peu plus tôt. On va essayer de ne pas faire trop traîner l'intro, si vous voulez bien, les gens. Pour la bonne raison que j'ai un truc à faire très tôt demain matin. Bon, voilà. Donc. Ceci dit, comme j'aurais pas trop de choses à dire, on va parler de Science Media Center. C'est fortement axé enquête ce soir. Donc c'est leur domaine de compétence, c'est pas le mien. J'ai ni le temps, ni les ressources, enfin j'ai ni la formation, ni les ressources pour livrer les enquêtes journalistiques. Donc j'aurais pas forcément énormément de choses à dire. On se rattrapera sur le chapitre 8. J'ai demandé à Laurent qu'on le fasse en deux parties, le chapitre 8. Ça va causer plein de trucs sur lesquels j'aurais énormément de choses à dire. Et Voilà. notamment des choses que les deux Sidon et le Camille ne disent pas. Et c'est regrettable qu'ils ne le disent pas. On reviendra sur ce que veut dire être relativiste pour les gens qui s'en réclament. On reviendra sur pourquoi le coup de Noam Chomsky qui dit que c'est par pure défense de la liberté d'expression qu'il a défendu celle de Forisson, c'est vraiment prendre au sérieux un odieux mensonge. Salut à toi, scepticisme. Bah, comme tu le dis toi-même, on verra ça avec le chapitre 8. Voilà. Là, on va essayer de rester un peu concentré sur ce chapitre-là. Bon, ça, je ne sais pas si je peux Je arriver pense à... qu'on pourra Comment? arriver à terminer. On devrait arriver à terminer tôt, comme j'aurais pas grand Ouais, chose à ce dire. serait pas mal, pour une fois. Bon, je ne sais pas si j'aurai l'énergie de secouer stupidement mon bras droit toute la soirée pour faire parler Gaël, mais de temps en temps, on le reverra jaillir juste pour animer un peu. Parce que sinon, ça va manquer tout ça. Il nous manquera sa bonne tête. Il est temps que Gaël se retrouve une caméra. Donc ce soir, On sent une trace avec Aurélie, je pense. on va aborder le chapitre. C'est 6, hein, c'est ça? Oui, chapitre 6, oui. Donc Gaël dit le premier que bah, on n'est pas dans un domaine sur lequel il a une large compétence. Donc je pense que les interruptions, les digressions seront peut-être un peu plus rares que d'habitude. Quoi qu'il ne. Voilà. Ouais, enfin, faut pas désespérer de notre aptitude à glisser loin de notre sujet. Mais exceptionnellement, on pourrait peut-être même quasiment commencer à l'heure. À moins que tu aies quelque chose à dire pour préparer ce truc. Et est-ce que tu as lu, par exemple, l'entretien dont Stéphane Foucard m'a filé le lien? Oui, je l'ai lu, oui. Alors, est-ce que c'est intéressant pour nous? Est-ce que c'est intéressant pour nous? Oui et non, parce que ce qui est intéressant peut être résumé assez rapidement, quoi. Bah, vas-y, dis-nous. Il y a déjà une chose qui m'intéresse beaucoup dans ce dossier, puisque c'est un dossier, il y a plusieurs choses dedans. Donc, là, ce qui a été envoyé, c'est l'interview de Frans Timmermans, qui est le vice-président de la Commission européenne. Et donc l'interview est titrée « Sans réduction des pesticides, nous aurons une crise alimentaire en Europe ». Voilà. Il y a dans le même dossier, pour aller plus loin, une interview du patron des lobbies des agriculteurs européens qui dit pas d'interdiction des pesticides s'il n'existe pas d'alternative. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça montre de quelle manière le non-débat pose ses termes. D'un côté, on a quelqu'un qui parle de réduction et qui parle de réduction dans longtemps, hein, entre 2040 et 2050.
Donc une politique des petits pas, prudente, etc., etc. Et c'est le mec qui est le plus à fond, visiblement, hein, côté officiel. Et de l'autre, on a des gens qui font « Ah, mais faut surtout pas faire ça, vous vous rendez compte, interdire les pesticides », alors qu'il n'est pas du tout question de ça, en fait. Il n'est juste pas du tout question de ça. Ce qui est assez comique, d'ailleurs, c'est que les mêmes qui rappellent, qui veulent surtout pas qu'on interdise les pesticides, alors que personne parle de ça, sont les premiers à rappeler que, en bio, on utilise des pesticides aussi. Occupez-vous un petit peu de la réalité, peut-être. Vous passerez moins pour des baltringues. Enfin, continuez. Non, non, si, c'est très bien. Continuez à passer pour des baltringues. Continuez à passer pour des baltringues. Le truc, en fait, c'est qu'ils ne passent pas pour des baltringues aux yeux de tout le monde, et notamment pas aux yeux de. Pas aux yeux des chefs de file de la FIS, quoi, par exemple. Ouais. Et c'est ça qui est préoccupant, quoi. Alors, Stéphane Foucart a suivi les différents épisodes de la review de son live. Oui, à peu près, sauf le dernier qui l'a exaspéré au plus haut point. Il en a même été un peu blessé. C'est compliqué. Moi, je suis ravi qu'il y soit attentif, qu'il nous pardonne parfois nos propres brutalités, mais pas toujours. Là, il était particulièrement agacé et probablement par sans doute les défauts permanents de Bunker qui avait toutes les raisons personnelles de simplement revenir sur cette affaire et aussi nous montrer en quoi son parcours est un parcours qui est dans la durée, dans le temps, et qui implique aussi ses transformations dans le contemporain. Donc c'est sans doute très difficile à vivre quand soi-même, essayer d'imaginer, je ne sais pas, mais que vous soyez simplement politiquement très enclin aujourd'hui dans une activité de gauche. Il claque des dents, mon Krümel Monster. Je sais, Eric, je sais, je sais. Je peux pas faire autrement. J'ai cherché partout des dents en mousse pour qu'il fasse moins de bruit, mais bon. Bref, c'était vrai. Vous êtes impliqué dans un travail militant de gauche, sauf que vous avez un passé de droitard pas top. Et le truc, c'est qu'un bouquin a été écrit au moment où vous étiez ce droitard pas top. Donc, je pense que c'est dur d'avoir comme seule présence à Au moment où il l'intérieur était déjà plus. éditorial ça, quoi. Et voilà, Au bon. moment où il était déjà plus. Hein, le truc, c'est que je ne vais pas nier que Bukurdé revient de loin. Hein, ceci. La première discussion que j'ai eue avec lui était une engueulade. Grosse engueulade. Et il était déjà adroit, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire preuve de mauvaise foi à l'époque? Et ouais, il a beaucoup évolué, quoi. Il a beaucoup évolué. Et puis, d'une façon générale, il y a des tactiques rhétoriques qui sont vraiment pas top de la part de Aurel et Foucart. Voilà. C'est vrai, Encore c'est une fois. vrai, enfin. Mais une fois de plus, comme on l'avait dit à la fin de. Stéphane, si vous nous écoutez, comme on l'avait dit à la fin de la dernière fois, on comprend, Pierre. Je suis bien placé pour comprendre à la fois la position de Paul Bunkerdy par rapport au fait, bah, ça l'a blessé, quoi. Et par ailleurs, je comprends aussi les deux Stéphane que ça que toute cette affaire a blessé également. Et j'entends bien qu'on n'est pas toujours juste dans sa façon d'aborder les choses. Voilà, c'était le genre de mesquinerie qu'on peut attendre dans une situation qui a dégénéré, quoi, on va dire. Voilà. Clairement. Et d'autre part, il y a un malentendu. J'espère l'avoir résolu par courrier avec Stéphane Foucart. Mais je ne sais pas, ça dépend beaucoup de. On entend aussi, quand tu es dans une disposition à entendre, parce que tu es à ta rapport à une parole un peu adversaire, enfin, en tout cas qui peut l'être, qui manifeste son irritation, qui parfois peut le faire en des termes assez crus. Je pense que tout ce que tu entends à ce moment-là est pris comme une attaque personnelle. Et je crois que Foucault n'a pas entendu que ce n'est pas du tout à leur travail qu'on s'en prenait, mais vraiment pas, mais Ah non. régulièrement à ce qui nous semblait être des points de méthode. Et. Comment dire? Il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus, parce que si Stéphane Foucart a pu l'interpréter comme ça, je pense que beaucoup d'entre vous risquent de l'interpréter comme ça. J'aimerais bien faire cette précision là.
pour que ce soit clair pour tout le monde. Il pense, et là-dessus il se trompe, hein, mais c'est ce que j'espère l'en avoir convaincu, que nous, nous nous détruisons, enfin que nous nous en prenons à son travail lui-même, et par la même occasion qu'on aurait des traits... parce qu'on s'en est pris, par exemple, au passage des glyphotests chez Élise Lucet, qu'on balancerait aux ordures le travail d'Élise Lucet d'une façon générale. Ce n'est pas du tout ça. Ce que j'ai tenté de dire, et j'aimerais bien être précis à ce sujet, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est comment on peut mettre en danger le meilleur de nos idées, le meilleur de nos positions, quand pour les rendre audibles, quand pour les rendre impressives, pour qu'elles vous fassent une impression forte, pour que vous les entendiez mieux, pour qu'elles soient convaincantes, on y glisse des arguments plus faibles ou des méthodes moins étayées, moins brillantes, moins assurées que les autres. C'est extrêmement risqué parce que vous pouvez être certain et certaine d'un truc, c'est que l'adversaire, lui, saura très bien quoi en faire. Partout, même dans un travail très riche et très fort, où vous aurez été un tout petit peu plus faible parce que vous aurez cédé aux joies de la rhétorique, vous aurez cédé à la... on pourrait dire la profusion des argumentations, cet effet millefeuille qu'on ne retrouve pas que chez les dingos, qu'on retrouve chez nous tous. On a un peu tendance à faire ça. C'est-à-dire que si vous avez envie de dégommer un droitard, si vous pouvez aussi rajouter qu'il s'habille mal, eh ben, vous allez peut-être le mettre, ou qu'il a un déplorable, un abominable accent marseillais, que vous ne supportez pas l'accent méridional. Bref, vous allez avoir tendance à aller chercher un petit peu partout, là où, en restant concentré sur les trucs dont vous êtes le plus assuré, qui a vraiment du poids, si vous faites ça, vous pouvez être certain que l'adversaire ne s'arrêtera que à cet endroit-là, à l'endroit où vous avez été le plus faible. Et c'est tout. C'est tout ce dont on parle, en fait, de ce risque-là, voilà, dans ce livre. Je pense que ce livre est précieux pour tous les renseignements qu'il nous apporte, pour le travail de fond qui a été fait avec lui. Et à chaque fois qu'on s'en irrite, c'est quand on voit que certaines légèretés mettent en danger tout le reste. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que je vis les problèmes de ce livre, quoi. Je suis d'accord. Je pense que c'est quelque chose auquel d'ailleurs Bulcardi agréerait. Hein, je dirais même pas agréerait parce qu'il l'a fait à la fin de la dernière, en disant que voilà, en dépit du fait que le chapitre où il était en vedette l'avait blessé, il était heureux que ce livre existe, que c'était un livre important. J'en profite pour remettre la critique que Kumokun avait fait. Sur le site Zététique Métacritique. Voilà, elle revient notamment sur l'intérêt du livre et de voilà, ce mélange d'arguments très forts et parfois d'arguments très faibles qui c'est toujours au détriment des arguments forts, en fait. Ouais, voilà. D'arguments faibles. Mais c'est très tentant. Moi, j'ai une tendance à vouloir être exhaustif. C'est, je pense que mon autisme n'y est pas pour rien, quoi. Mais j'ai une tendance à vouloir être exhaustif et donc à faire un inventaire, en fait, de tout ce que j'ai reproché à tout, enfin tout ce que j'ai reproché à aux choses que je n'aime pas. Et je comprends cette tentation. Plus il y a un côté des formations professionnelles là-dedans, dans un livre écrit par deux journalistes. Et un sociologue, mais des journalistes quand même. Il y a un effet d'accumulation inhérent aux livres basés sur les travaux d'enquête. Il y a un effet d'accumulation inhérent. Donc c'est d'autant plus important de veiller à éviter cet effet millefeuille un peu parasitant, justement parce que on va se retrouver dans une situation où il y aura cet effet d'accumulation. Et donc, vaut mieux plutôt essayer de restreindre ces effets que d'y aller. C'est ça. Donc, si vous avez affaire à un adversaire qui est un authentique nazi, restez là-dessus et ne faites pas part du mauvais goût de ses chaussettes en fil d'Écosse. Gardez-les à vous. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai. C'est ça. Vous gardez ça pour vous. Alors, exceptionnellement, donc ce soir, on va commencer la lecture du texte pratiquement au début. Voilà. C'est dingue, non ? Terminé très tôt. Hein. Allez, vas-y, Laurent. Je ne sais pas. Alors, l'espace public a été saturé de trolls. La polarisation des débats est à son comble sur les réseaux sociaux.
au sein des firmes de relations publiques, on se réjouit, on se félicite aussi de voir les messages relayés par des associations d'amateurs de sciences comme l'AFIS. Mais on voit encore plus loin. Et si ce petit noyau d'amateurs de sciences était transformé en relais zélé et quasi fonctionnarisé des messages de l'industrie? Et si les associations de ce type étaient en quelque sorte étatisées? Le moment ne serait-il pas propice à une interpellation des décideurs politiques et administratifs pour leur demander de réguler le marché de l'information de toute urgence? Dans un monde traversé par l'incertitude et les fake news, les professionnels de l'influence investissent désormais dans la médiation scientifique. Bon, ça, il l'évoquait hein, dans le précédent chapitre. Revêtant leur panoplie de fact-checkers face aux marchands de peur, ils peuvent alors jouer le rôle de promoteurs de la science auprès du grand public. Jusqu'alors, ils défendaient les produits dangereux et les substances toxiques de leurs clients en opposant des études sponsorisées aux études scientifiques indépendantes. Mais la stratégie éculée de la fabrique du doute, donc là, on fait référence à l'affaire des cigarettiers, hein, a atteint ses limites. Il s'agit désormais de présenter au public les études de leurs clients comme un bloc de savoir incontesté porté par l'ensemble de la communauté scientifique. Une nouvelle technique de lobbying qui a déjà totalement abouti au Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce que c'est tu dis, Simon ? Ouais, Simon nous dit, si Foucard nous écoute, cette série de reviews a plutôt contribué à améliorer nettement l'opinion que tu avais de son travail a priori. Ah, bah ça, c'est cool. Il sera content de l'apprendre. C'est chouette. Il y a eu tellement de campagnes de calomnie sur le sujet dans le milieu sceptique, avec quelques arguments légitimes, mais perdus au milieu d'une foultitude d'arguments illégitimes, on va dire. Mais le truc, en fait, c'est qu'à partir du moment où on a la main, on est le premier à parler, si on arrive à rendre illégitime le discours de l'autre avant même que la personne à qui on s'adresse y ait accès, on a déjà gagné. Ah, merci Twisted Punk. Foucault, en ayant connu Foucault par le milieu rationaliste, c'est déjà le dire à charge, quoi. Twisted Punk nous dit, hasard duquel... Comment ? C'est pas rationaliste que je vais apprendre l'existence du biais d'ancrage, en fait. La manière dont la première information qu'on a sur un sujet donné va avoir un poids démesuré. C'est là-dessus, c'est à partir de cette idée. Encore une fois, le biais d'ancrage, comme tous les biais, c'est des items contextuels. Et à partir du moment où on a accès à cette première idée sur une question, coucou Sud, et coucou tout le monde d'ailleurs, je sais pas dire. C'est à partir d'elle qu'on va lire tout le reste, donc elle va le colorer tout le reste. Donc évidemment, du coup, elle va avoir un poids démesuré. Connaître Foucard par le milieu rationaliste tel qu'il était au milieu des années 2010, c'était être à peu près certain de ne pas être capable de le lire. J'ai la nouvelle tête de guerre. De ne pas être capable de le lire autrement qu'à charge. Et du coup, évidemment, surinterpréter, enfin, survaloriser les quelques rares bons arguments qui étaient donnés à charge et passer sur tout ce qui pourrait être, présenté à décharge. Quoi. C'est un truc. Ça, je ne saurais trop insister pour toutes les critiques que je peux avoir de Foucard. Ça n'est absolument pas du même ordre que les critiques que je peux avoir avec la FIS telle qu'elle existe depuis la présentation. Bon. Oui. D'un côté, il y a un truc imparfait, mais je suis content qu'il existe. Et de l'autre, il y a un truc qui mériterait de ne pas exister du tout, de ne pas être pris au sérieux. Enfin, d'exister dans son coin si ça leur fait plaisir, mais de ne pas être pris au sérieux par des gens rationnels. Être pris pour ce que c'est, quoi. Un instrument de propagande scientiste. Alors, ouais, je te dis un truc que je vois dans le chat.
Twisted Punk a eu la gentillesse de nous parler d'un truc. Hasard du calendrier, Fakir a sorti un article sur un faux journaliste qui écrivait pour les marques de lobby et il nous met le lien dans le chat. Donc moi, j'ouvre l'onglet, j'irai voir ça plus tard. C'est un article de Fakir qui s'appelle « Moi, journaliste fantôme au service des lobbies ». Donc ça pourrait être assez intéressant peut-être d'aller voir ça. C'est un autre témoignage du coup. Comment ? C'est un auto-témoignage, en fait. C'est-à-dire ? Moi, journaliste fantôme au service des lobbies, c'est quelqu'un qui témoigne de ce qu'il a fait, d'accord. Ce qu'il a fait, visiblement. Écoute, je sais pas. Je lirai l'article. Visiblement, dans le chat, il y a d'autres gens qui sont au courant. Donc, moi, je ne l'étais pas. Donc, merci pour le lien, Twisted Punk. C'est super gentil. On en tiendra compte. Dans un prochain live, on va lire ça entre-temps. Comme ça, on en saura un peu plus là-dessus. Voilà. Rien à voir, mais chez Zem, vous en pensez quoi des travaux critiques des sciences de Isabelle Stengers ? Perso, j'y trouve pas mal intéressant, malgré le fait qu'elle cite parfois Heidegger. Ouais, j'ai beaucoup de sympathie pour ça. Stengers, beaucoup plus que pour Latour, en fait. L'élève a vraiment dépassé le maître pour moi. Science et pouvoir, par exemple, c'est vraiment... C'est assez court, ça se lit très bien, c'est vraiment passionnant. La série cosmopolitique aussi est très bien. Bon, alors, elle a un côté mystique qui va énerver plein de monde. Moi, le premier, ouais. Ils ne sont pas vraiment dans ces bouquins. Non, c'est vrai. Les sorcières, etc. Enfin, ouais. Ça va énerver des gens. Mais vous n'êtes pas obligé de dire ça si vous intéressez à son travail. Non, c'est vrai. Ah, bordel, excusez-moi. C'est une chimiste à la base, donc c'est quelqu'un qui a une pratique des sciences. Tu avais lu sa nouvelle alliance avec Prigogine ? T'avais lu ça ? Oui, c'est passionnant. Mais... C'est chouette, ça. C'est une pensée en construction encore, donc c'est beaucoup plus structuré dans ses ouvrages plus récents. Je n'ai pas lu d'ouvrage récent de Stengers, donc je ne sais pas où elle en est, s'il faut, elle a complètement... Alors, moi, j'ai eu affaire à elle il n'y a pas longtemps, et on s'est pas mal pris le chou, enfin, on s'est même engueulé, il faut dire les choses comme elles sont. Elle était passée à l'AMG pour présenter ses derniers trucs sur les sorcières, et clairement, d'un point de vue féministe, elle défendait clairement une position différentialiste qui a le don de me casser les couilles. C'était particulièrement contre-productif ce jour-là, et ça a laissé de côté plein de problèmes. Évidemment, les problèmes des corps, les corps transitionnels, les corps trans, qui sont carrément écartés des questions. L'intersectionnalité était jetée par elle au milieu du feu, c'était assez pénible. Il y avait vraiment une hiérarchie très très établie des paradigmes de la position politique, ce qui était assez insupportable pour moi. Et ça a fini un peu en couille, parce qu'on est parti sur les sorcières aussi, enfin, c'était très pénible. Mais... Ceci mis à part, oui, c'est vrai que le travail dans le domaine de l'épistémo des sciences est quand même beaucoup plus intéressant. Et, en tout cas, il était quand je la suivais encore assidûment, il y a 5 ans à peu près. C'est ça. Je vais pas me porter garant de ce qu'elle fait maintenant, mais je vais me porter garant de ce qu'elle faisait jusqu'à l'époque où j'ai arrêté d'acheter des livres, en gros. Donc, il y a à peu près 5 ans. voilà, donc, c'est... Elle a aussi pris part au débat, on y reviendra dans le 8e chapitre, mais elle a aussi pris part au débat dans l'affaire Sequel. Elle a écrit un article, par exemple, dans l'excellent numéro que la revue Alliage avait consacré à l'affaire qui s'appelait Imposture scientifique, qui revenait donc sur Imposture intellectuelle et sur l'affaire Sequel. Elle a écrit, je crois que c'est l'article qui clôt la revue, qui s'appelle La guerre des sciences, c'est comme ça qu'on connaît notamment aux États-Unis, Science World. La guerre des sciences, deux points, et la paix, point d'interrogation, et qui était une tentative, je pense, assez vaine, mais aimable, de tendre la main aux parties adverses. On a beau être super énervé par ce qu'il y a dans la posture intellectuelle, on comprend un peu ce qu'il peut y avoir de blessant dans le travail des sociologues et des historiens des sciences pour les gens qui sont dans les disciplines dont parlent les historiens et les sociologues des sciences. Parce que bon, c'est un travail d'analyse et de déconstruction des concepts qu'on utilise au quotidien, avec lesquels on a une familiarité, un investissement. Donc, quelque part, effectivement, ça peut être blessant. Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être le dire avec plus de... Voilà,
c'est très aimable. Et c'est pas du tout inintéressant. Dans l'ensemble, il y a guère qu'un article de ce numéro que je trouve plus faible que les autres. Dans l'ensemble, c'est de la bonne qualité. Lui, c'est un article de Jean-Luc Gotero, qui est un de mes mentors en matière de théorie sur les sciences. C'est lui qui m'avait fait découvrir Feuerabend quand j'avais une vingtaine d'années. Donc voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection personnellement et beaucoup d'intérêt théoriquement. Donc, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, on poursuit. Donc, sur les médias, les Science Media Center. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que Foucault et ses amis vont nous dire ça. Nous dire ce que c'est. C'est marrant parce qu'à la base, c'est une création trotskiste, les Science Media Center, il me semble. On en reparlera s'il y a des choses qu'ils n'évoquent pas. Tu pourras boucher les trous. Et nous dire tout ce que tu en sais et qui n'est pas évoqué. Le Science Media Center, SAS, entre experts et journalistes. En 2002, une nouvelle forme d'agence de presse, adoubée par la Royal Institution, un équivalent britannique de l'Académie des sciences en France, et l'ensemble des institutions savantes naît sous le nom de Science Media Center, SMC. À son origine, un petit groupe de militants pro-science et surtout pro-industrie, qui après 10 ans de mobilisation financée par le secteur privé, sont parvenus à se faire confier par les pouvoirs publics eux-mêmes le rôle d'agence de presse de référence, diffuseur officiel de la bonne science. Hébergé par le Wellcome Trust, l'une des plus grandes fondations privées au monde pour la recherche médicale, le SMC assure la dissémination d'argumentaires convergents avec ceux de l'industrie sous couvert d'informations scientifiques. Son activité principale consiste à produire à l'attention des journalistes des kits de réaction rapide, Roundup and Rapid Reaction. Donc Roundup, ouais, c'est ça. C'est drôle, rien à voir avec le Roundup, mais c'est plutôt drôle. D'experts réagissant à l'actualité scientifique du moment ou à une polémique. Voire de véritables petits dossiers de presse sur des dossiers chauds et récurrents comme le glyphosate, le nucléaire ou le tabac. Je vois pas ce qu'il y a à dire sur le tabac. Parfois même des sons prêts à être diffusés. Les employés du SMC disposent également de listings d'experts qu'ils communiquent aux journalistes dûment enregistrés. Une stratégie qui permet à des groupes privés de systématiser la diffusion de contenus dégriffés sans qu'aucune référence à leur véritable origine ne figure. Ce modèle plaît. Il a été exporté en Australie, au Canada et plus récemment en Allemagne. Il est question de l'arrivée prochaine d'un SMC en France. Allez, Sa Majesté m'a compromis, président des Français, selon la volonté des très hauts, et très fan du très haut et très fan de l'idée, ouais. Ce qui est assez effrayant. Je vais faire un rapide commentaire sur le fait que il y a évidemment cet argument de l'expertise qui est qui plus que les gens qui travaillent pour l'industrie sont mieux renseignés. Mais ça pose un problème, alors pas du tout que pour les sciences biologiques et les sciences du vivant d'ailleurs, ça pose un problème qui peut se voir ailleurs, notamment sur la façon dont le journalisme traite de la question de la sécurité sociale. Alors je vais faire une petite tangente. Encore une fois, Laurent, comme j'aurais pas grand chose à dire, j'en profite là. Je vais faire une petite. J'adore, il n'arrête pas de dire qu'il n'a pas grand-chose à dire, mais... Dans les années 80, les journalistes qui parlaient de sécurité sociale étaient des journalistes spécialisés qui, bien souvent, avaient des connexions avec les syndicats qui, je rappelle, sont co-gestionnaires des caisses d'assurance, des caisses de sécurité sociale et qui savaient de quoi ils parlaient, en fait. Mais depuis les années 80, la sociologie des journalistes traitant des questions de sécurité sociale a considérablement changé. Maintenant, c'est une étape possible dans une carrière plus vaste d'un journaliste. C'est un passage. C'est un sujet un peu aride. On le donne à des gens un peu nouveaux. Le temps qu'il se fasse une petite réputation, puis après il passe à autre chose. Et à l'heure actuelle, quand il est question de sécurité sociale, et notamment d'assurance maladie, ces journalistes vont au plus rapide, comme ils y connaissent bien, ils font appel à ceux qui sont les plus évidemment experts. Et ceux qui sont les plus évidemment experts,
sont les technocrates qui planchent sur le détricotage de la sécurité sociale. C'est les gens qui sont les théoriciens du poussage vers la privatisation du domaine public, et qui sont effectivement des sortes d'experts de la question, baignent dans une idéologie néolibérale, et il y aurait beaucoup de choses à dire sur le néolibéralisme et son rapport à la réalité, c'est-à-dire au tien. Et qui sont donc juges et parties des lois qu'ils rédigent à destination des politiques. Voilà. Et qui en plus vont avoir l'honneur de venir en rendre compte sur les plateaux télé ou dans les journaux de la presse écrite. C'est le genre de situation qu'on ne devrait pas souhaiter, mais c'est le genre de situation auquel on est acculé par la situation du journalisme actuel. Et ce qui vaut pour la sécurité sociale vaut évidemment pour les sciences du vivant en la matière, parce que si vous donnez comme experts des gens qui sont directement impliqués dans l'industrie, on a déjà évoqué le cas de Marcel Kuntz, Monsieur les gens que j'aime pas sont des petits lacomboussiens là, qui a des brevets d'OGM. Voilà, évidemment il est pour les OGM, il en vit. Il n'y a pas d'indépendance assurée dans ces. On se retrouve avec des gens qui vont écrire des rapports à destination des journalistes dans lesquels il n'y aura pas vraiment moyen de distinguer la défense de leur employeur, la défense de leur intérêt et ce qui relève d'une science fondée, quoi. Voilà. Petite anecdote rapide, quand ma mère était jeune étudiante en école d'éducateur, ils avaient une espèce d'association où ils invitaient des scientifiques pour parler de sujets, etc. On était dans les années 60, fin des années 60, début des années 70. Et elle m'a raconté un débat passionnant avec des ingénieurs nucléaires qui étaient contre l'énergie nucléaire civile. Pour des tas de raisons, notamment une qui avait l'air de revenir beaucoup, c'était des raisons de sécurité, parce que on pensait que, de par le fait que un site nucléaire est un site chaud en termes de sécurité, ça allait être un pied dans la porte vers la sécurisation de pays. Et le fait est qu'ils ne se sont pas trompés. On aurait peine à trouver maintenant des ingénieurs nucléaires qui seraient contre le nucléaire, pour une bonne et simple raison, c'est que il n'y a pas vraiment de recherche publique sans aucun lien avec le privé en la matière, en fait. Voilà, ma formulation n'est pas très bonne, parce que EDF était une entreprise publique, mais c'est une entreprise qui fonctionnait comme une entreprise, quoi. Donc du coup, le problème de la prise d'intérêt se pose systématiquement, quoi. Voilà. Bon, voilà, c'était pour ma petite tangente. Merci pour cette petite insertion. Je note qu'ils ont mis une petite note en bas de page qui est liée simplement à ce qui se passe au moment de la troisième édition du livre à propos de l'arrivée possible d'une SMC en France. Donc quelque chose a changé entre les différentes éditions du bouquin. Là, Foucard m'a envoyé la troisième, et dans la troisième, il rajoute cette petite note au moment où ce livre est sous presse. La loi de programmation pluriannuelle de la recherche, examinée au Conseil des ministres le 22 juillet 2020, prévoit dans son exposé des motifs la création d'un centre sciences et médias, à l'instar de ceux qui ont installé plusieurs autres pays comme l'Allemagne, l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande ou le Royaume-Uni, pour développer les relations et permettre la mise en contact rapide entre journalistes et chercheurs, favoriser l'accès des citoyens à une information scientifique fiable et accroître l'apport d'éclairage scientifique dans les débats publics sur les sujets actuels. Formulé comme ça m'a l'air très vertueux, n'est-ce pas? Ah oui, très 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 vertueux.
Les agences de presse détiennent un pouvoir d'amorçage et de cadrage des débats, maintes fois démontré par les sociologues du journalisme. Dans un système où prévaut la circulation circulaire de l'information et où les médias se copient les uns les autres, en ajoutant parfois qu'une faible valeur ajoutée à l'information initiale, les agences jouent un rôle crucial. La plupart des journaux y sont abonnés et utilisent les dépêches que ces dernières produisent comme premier noyau d'information pour rédiger leur contenu ou pour y trouver des idées de sujets. Dans le champ de l'information scientifique, on ne compte que deux agences de presse à taille mondiale, Eureka Alert et Alpha Galileo. Mais les émetteurs potentiels de discours scientifiques sont quant à eux très nombreux. ONG, scientifiques du secteur public, firmes, experts plus ou moins autoproclamés, etc. Du point de vue des décideurs politiques, la création d'une agence qui se situerait au sommet de la chaîne alimentaire de l'information scientifique et jouerait le rôle de garde-barrière entre journalistes et savants ne peut recevoir qu'un accueil positif. N'y aurait-il pas là une solution contre la diffusion de mauvaises sciences et de fausses rumeurs sur les vaccins ou, dans le contexte britannique, le prion de l'encéphalopathie spongiforme bovine? Oh, oh, ça date cette affaire. Je pense que tout le monde a quand même un petit peu en tête l'affaire de la vache folle. Moi, je pourrais pas vous en faire un résumé, puis ça commence à dater quand même. Donc, je serais pas très à l'aise pour ne dire autre chose que des grandes banalités, mais j'espère que vous avez encore ça en tête. En note, il y a une... un renvoi vers un doctorat sur la question. Ouais, je vois pas la note là, elle doit être sur une autre page, je pense. Les employés du SMC possèdent deux pouvoirs. Ils livrent une information de première fraîcheur aux journalistes et sélectionnent les bons scientifiques à partir de critères qui ne sont pas que savants. Ainsi, le centre a construit sa légitimité en effectuant des castings de scientifiques réputés capables de parler aux journalistes. Des bons clients, comme on dit dans la profession. Alors déjà là, on commence à mal tourner. Hein. C'est qu'une parole spectacularisable est plus intéressante qu'une parole assurée. Or, il n'y a aucune raison au monde, on est d'accord, pour que le spécialiste de quelque question que ce soit, qui n'est pas en elle-même une question oralisée, faite pour l'oralisation et faite pour la spectacularisation, il n'y a aucune raison d'être bon dans cet exercice, ça n'a pas de sens. Donc orienter les choix de ce côté-là, vous voyez bien le petit début des problèmes, quoi. Je vais relativiser quand même. Ça pose d'énormes problèmes, mais ça répond à un impératif de la profession journalistique aussi, parce que c'est pas que des gens qui vont être convoqués pour donner de l'information, c'est potentiellement des gens qui vont se retrouver dans des plateaux ou interviewés par des journalistes. Donc sur des plateaux télé ou interviewés par des journalistes de la presse écrite. Donc oui, il y a un intérêt à ce qu'ils parlent bien, quoi. Le truc, c'est que ça dépend vraiment du poids qu'on donne à ça. Voilà. Moi, je serais. C'est pas du tout innocent. Je suis pas du tout en train de dire que D'accord. C'est innocent. C'est pas du tout innocent. C'est juste que c'est assez logique de la part de journalistes de raisonner comme ça. C'est logique, mais s'il glisse une immense perfidie, c'est que la catégorie du bien ou du mal parlé, elle est modélisée, sculptée depuis de très nombreuses années par le spectacle lui-même, ce qui pose quand même de très gros problèmes. Parce qu'au fond, si nous avions été accoutumés tout simplement à écouter les spécialistes parler selon leurs modalités, avec les silences, avec les exigences de précision, avec la temporalité qui est la leur, on n'aurait pas une image de bien ou mal parlé qui serait entièrement sculptée par les formules qui en ont été données lentement, pas à pas, dans tous les cadres où la parole va se publiciser. C'est là où la perfidie s'installe, quoi. C'est que clairement, le cadre qui a été dessiné pour le bien parler, c'est pas celui qui a été défini par ceux qui, au fond, ont quelque chose à dire. Ouais, c'est un problème que Bourdieu soulignait dans son bouquin sur la télévision. Complètement. C'est aussi un problème que Serge Halimi abordait quand il a ça commence à dater son bouquin sur les chiens de garde, mais il disait que il n'allait pas sur les plateaux de télé, oui, c'est nisant, la première mouture des chiens de garde, mais il n'allait pas sur les plateaux de télé précisément parce qu'il était parfaitement conscient, pas seulement de la grande asymétrie qui pouvait exister entre sa place corporelle, celle qu'on allait lui donner devant évidemment un parc de détracteurs plus nombreux, plus en puissance et plus habilités, mais c'est surtout que les modalités même de son expression, elles allaient être complètement sculptées par les déterminants des cadres du plateau sur lequel il aurait pu éventuellement être invité. Donc c'est foutu d'avance de ce point de vue. Le médium et le message, comme dirait McLuhan. Les quoi ? Le médium et le message, comme dirait McLuhan. C'est ça. Voilà, que les situationnistes détestaient, avec parfois de bonnes raisons. Mmh. Mais le médium et le message, c'est vraiment...
pour ce qui nous intéresse ici, ce qui est attiré de cette formule, c'est l'idée que un médium donné ne va pas permettre d'exprimer n'importe quoi. Il est déjà porteur de sens. C'est ça, ouais. C'est déjà une configuration quoi, de discours. Voilà. Donc, en tant que tel, avec des limites, un cadre, un seuil, des impératifs, et c'est très normatif. Quoi. Alors, les employés du SMC possèdent deux pouvoirs. Ils livrent une information de première fraîcheur aux journalistes et sélectionnent les bons scientifiques à partir de critères qui ne sont pas que savants. Ainsi, le centre a construit sa légitimité. Ah ben non, j'ai déjà lu ça, je suis con. C'est pas grave. Oui, les bons clients, comme on dit dans la profession. Parce qu'il propose un espace de ressources fort pratique pour les rédactions de tous les médias. Le SMC est rapidement devenu indispensable dans l'écosystème de la circulation de l'information scientifique à l'échelle du Royaume-Uni. Le cas anglais offre désormais suffisamment de recul pour que l'on puisse en saisir les paradoxes, ses limites au regard de l'intérêt général et, à l'inverse, tout le profit que peuvent en tirer les industriels. Hébergé dans des locaux du Wellcome Trust qui lui garantit un prestige par association, donc vous voyez hein, ce qu'est un prestige par association, je pense, le seul fait que même si vous êtes dans un cadre de discours où au fond le prestige en question n'a que très peu de rapport, le seul fait qu'il vienne comme un avant-poste qui émette plein de petits signaux qui vous disent « Ah, on a des garanties d'une certaine autorité, nous sommes ici ou nous sommes en compagnie de celui-ci », alors on peut se préparer à écouter quelque chose avec une attention toute particulière, alors, imaginez. Contagieux quoi. Ça n'est qu'une simple supposition, bien sûr, hein. Ça ne risque pas d'arriver au vrai. Mais imaginez que, au Collège de France, par exemple, imaginez qu'un clown soit invité pour dire n'importe quoi sur la musique atonale. Je ne vois pas du tout ça de quoi tu parles. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Voilà. Imaginez que ça arrive. Ça serait pris au sérieux parce qu'on se dit, quand même, le Collège de France, c'est une institution sérieuse. Il doit savoir de quoi il parle. Il a sûrement une tas de choses à dire. Tu n'as pas honte de spoiler une prochaine émission, c'est très vilain. Non, c'est un teaser, c'est pas du spoil, c'est un teaser. Bon d'accord, il vient de teaser, on va dire que c'est ça. On aura le droit ici même à un réact de la conférence aberrante de Jérôme Ducrot sur la musique atonale, mais ça n'est pas le sujet du soir. Le SMC britannique, donc, qui est dans des locaux prestigieux, assure être pleinement indépendant. Le Science Media Center est une expérience unique visant l'établissement d'une nouvelle relation avec les médias, assure sa directrice Fiona Fox. C'est un bureau de presse complètement indépendant qui n'est lié à aucune entreprise de relations publiques et n'a ni marque ni institution à promouvoir. Afin de protéger son autonomie, le SMC n'accepterait qu'un faible nombre de dotations individuelles dépassant l'équivalent de 5% de son budget. Il assure ainsi ne solliciter que des scientifiques, des ingénieurs ou des individus qui travaillent pour des institutions respectées, publient dans des journaux à comité de lecture et ont un passé de recherche de qualité spécialisé dans leur champ. Merci pour le follow, Ratatosk 1201, et bienvenue à bord. La Fox qui vient du Revolutionary Communist Party, qui est un parti trotskiste britannique. D'accord. Donc, elle était une des cadres dirigeantes. Donc, c'est assez marrant, un petit peu comme la FIS. Hein. On retrouve en Angleterre un petit peu le même genre de configuration où il y a tout un pan productiviste du trotskisme qui ne voit pas tellement de problèmes au nom de la défense de la rationalité avec tous les guillemets qui s'imposent de s'accoquiner avec des libéraux. Voilà. Bienvenue donc à Ratatosk, et tu n'es pas obligé d'être discret. Mais la réalité n'est pas strictement conforme à ces déclarations publiques. En 2014, une équipe de chercheurs de l'université de Bath, en Grande-Bretagne, s'est employée à identifier et analyser les thèmes que le Science Media Center traitait en priorité, ainsi que ses financements réels 10 ans après son lancement. Au final, entre 2011 et 2013, les financements en provenance d'institutions publiques ne comptaient que pour 7% du budget global. Si l'on y ajoutait tout le secteur parapublic de la recherche, sociétés savantes et autres, on atteignait à peine 24% du budget. Les financements restants provenaient de fondations privées ou de plateformes privées d'éditions scientifiques, notamment Elsevier et Springer Science et Business Media, 41%. Les fonds en provenance directe des entreprises comptaient, eux, pour plus d'un tiers du budget, 34%. Parmi ces firmes, d'abord des laboratoires pharmaceutiques et le secteur de la chimie, Abbott,
AstraZeneca, BASF, Bayer, GlaxoSmithKline, L'Oréal, UK, Novartis, Merck Sharp, Sanofi Aventis, Sanofi Pasteur MSD, etc. Ensuite, l'agrochimie et les biotechnologies, Syngenta, CropLife International, Life Technology, l'agroalimentaire, Coca-Cola, Unilever, Food and Drink Federation, l'énergie, BP International, la Nuclear Industry Association, etc. Les financements de certaines d'entre elles dépassaient largement la limite des 5% annoncée. Ainsi, la fondation privée Wellcome Trust, issue de la compagnie pharmaceutique fondée par Henry Wellcome, représentait 10% du budget en 2011. La Dresden Foundation, une autre fondation privée, représentait 16% du budget du SMC, une information affichée sur le site du centre avec plusieurs mois de délai. Ces financements privés ont-ils un impact sur les informations fournies par le centre ? À partir d'une méthode d'aspiration de données sur Internet, les chercheurs de l'université de Bath ont centralisé les 6212 citations et verbatim de près de 2000 experts. Donc verbatim, c'est l'enregistrement des paroles prononcées. Ainsi, les quatre principaux thèmes abordés par le SMC étaient l'énergie, le changement climatique, les neurosciences et les OGM. S'efforçant de resituer la position professionnelle de chacun des experts et leur formation, les chercheurs ont appliqué une définition assez large de l'expert scientifique. Un individu titulaire d'un doctorat, PhD en sciences naturelles, ingénierie ou sciences sociales, et ayant déjà occupé un emploi scientifique de façon formelle dans le secteur public ou privé, au moment ou aux alentours du moment où il était cité par le SMC. En dépit de cette largesse, 20 des 100 experts les plus cités par le SMC n'étaient pas des scientifiques. Le 15e expert le plus cité, une dénommée Aileen Burnand, ne détient pas de diplôme en sciences. Elle a plutôt été directrice exécutive de l'organisation de lobbying britannique des biotech, Bioindustry Association, entre 1998 et 2009, puis membre du staff de la Confédération patronale européenne de l'industrie des biotechnologies, EuropaBio, entre 2005 et 2009. Sarah Norcross, 23e experte la plus citée par le SMC, n'avait elle non plus aucun diplôme en sciences, mais exerçait comme lobbyiste pour diverses industries. Citée au moins une fois par an entre 2002 et 2007, Simon Best possède bien des diplômes, mais en musique et en commerce, aucun en sciences. Pilier du groupe de punk Delta 5, il dirige un label de musique alternative. Mais il a surtout co-dirigé la société formée en 1998 auprès du Rolling Institute, l'institut de recherche qui avait cloné la célèbre brebis Dolly. Vice-président de l'organisation de lobbying américaine des biotech, Biotechnology Industry Organization, BIO, dans les années 90, il fut cadre de haut niveau pour le laboratoire pharmaceutique Zeneca entre 1991 et 2005. De toute évidence, les financements du secteur privé ne sont pas sans effet sur la nature des experts sollicités par le SMC. Et oui, tu voulais ajouter quelque chose sur Zeneca, c'est ça ? Je vais faire une tangente sur AstraZeneca, parce que je n'ai toujours pas digéré ce qui s'est passé. Une tangente sur AstraZeneca, Bill Gates et les fondations. Ou ce qui me fait penser que je devrais vous proposer, si vous avez l'occasion, il y a une chaîne YouTube pour les anglophones, s'appelle Another Slice. Tu vas taper ça dans le chat. Ouais, je vais vous mettre sa playlist dans le chat. Hein. Voilà. Parce qu'il a fait une série sur les fondations. Il est notamment question de Bill Gates, mais pas seulement. Il y en a une qui est consacrée plus particulièrement à Bill Gates aussi. C'est la série Non-Profit. Comment ça fait qu'il reste plus de 4 vidéos là ? Ah, deux problèmes, une Non-Profit. Je l'ai. Voilà. Qui montre tout ce qui ne va pas avec les Non-Profit. Notamment les fondations à la Bill Gates. Donc voilà, si vous avez du temps à consacrer à ça et si vous êtes anglophone, je vous conseille. Donc, au moment de la recherche concernant la pandémie de Covid, la faculté de médecine d'Oxford avait mis au point un vaccin, et souhaitait à la base le proposer en open access. Alors voilà notre recherche. Voilà comment synthétiser le vaccin.
Voilà, si vous voulez élaborer dessus, vous pouvez, il n'y a pas de problème, c'est libre. C'est libre d'accès, c'est libre de droit. Bill Gates, qui par l'intermédiaire de sa fondation file de la thune à Oxford, et aller taper du poing sur la table en disant c'est hors de question que ce soit que vous diffusiez ça en open access. Vous allez vendre votre brevet à AstraZeneca, voilà, qui est une entreprise pharmaceutique sérieuse, qui elle sera capable de mettre ça sur le marché parce qu'il n'y a que le marché qui peut gérer la crise actuelle de la pandémie. Et Oxford avait dû, moyennant une toute petite confession, on va revenir dessus tout de suite, avait dû se plier parce que c'était ça où Bill Gates retirait ses fonds. Là-dessus, la petite concession, c'était AstraZeneca avait dit qu'il ne ferait pas de profit sur le vaccin tant que la pandémie durerait. Alors, officiellement, pour AstraZeneca, la pandémie s'est terminée au milieu de l'année 2011. Ah, oh, on n'avait pas vu ça, nous. Décrété que ça y est, il n'y avait plus de pandémie. Pouf, pouf. Non, non, il n'y a plus, c'est fini. C'est, maintenant, on va pouvoir faire du profit. Voilà. Il n'y a aucune raison scientifique pour ça. Hein. C'est juste... C'est pas sans rappeler quand un certain ministre de l'Intérieur dit qu'il faut passer les lois d'exception sur la sécurité dans le droit commun, puisqu'on ne peut pas toujours rester en état d'exception. C'est à peu près du même ordre. Un beau tour de passe-passe. Ouais. Merci, Yael. Allez, vas-y, aspire un bon coup. Allez, vas-y, goûte-moi ça. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le trouves, celui-là? Aspire. Tu le trouves bien? Ouais, ça fait du bien. Alors, je me demande si tous les zigotos qu'on speak et mieux le Bill Gates à longueur de journée ont déjà mentionné ces histoires-là dans leurs vidéos filmées sur leur baraque de. Bah non, c'est ça qui est rageant. C'est un petit peu comme je sais pas les conspis sur le 11 septembre. Il y a une vraie conspiration autour du 11 septembre. Il y a une vraie, clairement établie. C'est l'invasion d'Irak. Pourquoi aller en inventer une? Enfin, je veux dire, il y a tellement de raisons. Et pareil pour Bill Gates, il y a tellement de vraies raisons pour détester cette immonde tête de con. Il n'en était pas à sa première. Il y avait une convention sur la levée des brevets sur le. Je crois que c'était pour le SIDA en Inde. Et Bill Gates avait payé des gens pour aller inonder cette convention de tracts. Contre la levée des brevets, parce que les brevets, c'est hyper important. Ce mec a fait fortune hein, sur ça. Je veux dire, à une époque, le développement informatique, c'était un truc de passionné qui ne jurait que par l'open source. Et Bill Gates avait écrit une lettre hallucinante où il insultait tout le monde en disant laissez-moi faire les profits, c'est les profits qui vont mener à de meilleures recherches, etc., etc., quoi. Enfin, il a fait fortune là-dessus, et je crois que une partie de lui y croit, il n'est pas totalement de mauvaise foi, quoi, mais voilà, ça reste un connard de libéral de merde qui participent de politiques qui sont en train de nous mener au bout. Voilà. Alors, Twisted Punk dit que l'Irak n'a pas été justifié par le 9-11, mais ils avaient prétexté les armes de destruction massive. Oui et non. Il y a une chronologie quand même, Twisted Punk, et cette chronologie, elle place son point originaire dans le 9-11, qui va rendre tout le reste... La chronologie, c'est... alors, 11 septembre, les États-Unis disent, alors c'est Al-Qaïda, et Al-Qaïda a des bases, en Irak, Saddam Hussein les aide, ce qui était tout à fait faux pour le coup. Et d'ailleurs, non seulement il les aide, mais en plus il a des armes de destruction massive. Donc c'est bel et bien ce qui a servi à rendre le public perméable à leur propagande sur les armes de destruction massive, c'est de créer un lien inexistant mais massif dans la presse entre le 11 septembre et l'Irak. J'étais pas jeune et je ne me trompe pas.
Je m'en souviens très bien aussi. Alors, c'est encore un truc que j'aimerais. J'ai hélas pas mis ça en lien et je ne sais même pas pourquoi. Et je vous retrouverai peut-être pour la prochaine fois, du coup. Mais il y a un excellent podcast qui avait fait sa première saison qui était consacrée en fait à la. Non, je ne confonds pas l'Irak et l'Afghanistan. Non. Non, non, je ne confonds pas. Était consacré à tout ce qui avait entouré en fait la deuxième guerre du Golfe et où ils reviennent là-dessus notamment le lien entre Saddam Hussein et le 11 septembre a été fait pratiquement tout de suite. Oui, carrément. Ça a été oui, quasi instantané. Allez, on continue, les cocos. On en est où? La même enquête des universitaires de Bath souligne par ailleurs que les biais variaient à l'extrême d'un sujet à l'autre. Le SMC semble parfois respecter les hiérarchies scientifiques telles qu'elles transparaissent des classements bibliométriques. Sur la question du changement climatique, par exemple, il soutient de façon constante le consensus scientifique, tout en privilégiant les citations favorables au nucléaire, et sélectionne les chercheurs britanniques les plus cités et les plus reconnus. Quatre des six experts les plus sollicités sur le climat ont ainsi à leur actif des centaines de publications citées, des milliers de fois au moins. Sur d'autres sujets, en revanche, cela n'est pas du tout le cas, comme la question des OGM. Sur les 10 experts les plus cités par le SMC, seuls deux dépassent le millier de citations dans leur champ. Les 8 autres sont très loin d'obtenir ne serait-ce que la moitié des taux de citation des experts sollicités sur le climat et sont pour certains des industriels. Ces données sont d'autant plus inquiétantes que le SMC a considérablement bouleversé les pratiques des journalistes scientifiques en Grande-Bretagne. En une décennie, le centre semble être devenu l'acteur indispensable à toute production d'articles liés à une actualité scientifique. Ancienne présidente de l'Association des rédacteurs scientifiques britanniques et senior lecturer à la City University of London, Connie Saint-Louis a mené une étude sur le traitement médiatique de l'actualité scientifique par une douzaine de journaux entre 2011 et 2012. Résultat, plus de la moitié des déclarations des experts du SMC étaient reprises par la presse et 23% des articles avaient pour seule source des citations fournies par le centre. Appelant à sauver le journalisme scientifique, Connie Saint-Louis considère le MSMC comme une agence de relations publiques pour l'industrie qu'il faudrait fermer. Chercheuse à l'université d'Hambourg, en Allemagne, Simone Röder a elle aussi cherché à saisir ce que la création du centre avait pu modifier dans les relations entre la sphère scientifique et les médias. À partir d'une série d'entretiens avec des employés du centre et des journalistes sur le traitement des dossiers santé, elle est arrivée à la conclusion que le SMC avait profondément transformé le traitement de l'information scientifique au Royaume-Uni. Ses employés, montre-t-elle, se vivent désormais comme de véritables éducateurs pour journalistes, publiant à leur attention des sortes de vade-mecum, de bonnes pratiques stylistiques. Le SMC a par exemple demandé au chercheur Gary Switzer d'établir une liste de mots que les journalistes couvrant les questions de santé ne devraient jamais utiliser. Guérison, miracle, percée, prometteur, dramatique, espoir, victime. Les journalistes sont également encouragés à abandonner certains réflexes professionnels classiques comme mettre en symétrie les arguments pour et les arguments contre. Les listings d'experts communiqués sur demande aux journalistes contenaient les noms de 3 000 experts en 2013, selon Simon Rudder. Des experts qui ne mentionnent pas toujours leurs activités et leurs conflits d'intérêts, donc, mais qui expriment leur opinion sous une forme qui peut être citée de façon libre, comme si elle avait été obtenue de première main par les journalistes. À la suite d'un. J'ai mis le lien rapidement, j'ai mis le lien vers le podcast en question sur Spotify. Voilà, le podcast s'appelle Blowback. Je vous conseille de l'écouter, c'est passionnant. Voilà, il y a une deuxième saison pour l'instant sur Cuba. Et il y a une troisième saison qui ne devrait pas tarder à débarquer. Voilà. Merci Gaël. À la suite d'un accord passé entre le SMC et la BBC la même année, des notes d'information sur divers sujets, vaccination, génétique, nucléaire ou environnement, sont transmises aux rédacteurs et aux modérateurs de la chaîne qui sont tenus de les lire. Le SMC fonctionne également sous la forme d'une salle de conférence de presse accessible 2 fois par semaine aux journalistes inscrits. Elles sont de deux types. Briefing autour d'une polémique en cours, sur la base d'une étude jugée sérieuse, ou séance d'information générale, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vaccins sans oser le demander. Depuis Ah.
C'est moi qui paraphrase. Depuis 2011, enfin, un service assure le suivi de publications scientifiques les plus commentées et propose une hotline téléphonique pour répondre aux questions des rédactions. Désormais, estime Simon Rudder, participer aux conférences de presse de SMC est devenu une évidence dans le quotidien du journalisme scientifique dans le centre de Londres. Certains journalistes regrettent cependant l'effet de lissage des controverses opérées par le SMC qui ne reflète plus une science faite de débats, mais une science porteuse d'une seule vérité à relayer. Là, on commence à voir se construire donc une espèce d'essentialité unifiée. Alors que clairement, depuis que ce soit dans les lives avec Aurélie sur les sciences de l'évolution, ou que ce soit ici, à chaque fois qu'on vous évoque la construction des propositions scientifiques qui vont devenir des objets à partager, qui vont devenir des objets théoriques qui s'établissant, c'est clairement pas comme ça qu'ils se construisent. Je crois que vous comprenez, vous voyez bien qu'ils se font au contraire dans l'adversité et des fois avec une certaine violence, on va dire. On a une position assez typique entre la science telle qu'elle se présente et ce que Stengers, qui pour le coup reprend la tour, je crois, appelle la science en train de se faire. Qui passe sur le caractère hautement polémique et souvent effectivement assez violent, hein, des polémiques scientifiques. Ce dit en passant, ça peut aller très très loin dans la complexité. Y a un courant néo-lamarckien sérieux en biologie de l'évolution. Sérieux, je veux dire, c'est pas des rigolos, quoi. Lamarck, on pourrait se dire, après Darwin, c'est plié, quoi, il n'y a plus rien à en faire. Bien, pourtant, je suis incapable de trancher sur l'intérêt de la chose, mais je ne peux que constater qu'il existe un courant néo-lamarckien sérieux qui polémique à bâton rompu avec les néo-darwinistes en biologie d'évolution à l'heure actuelle. Même si c'est un courant minoritaire, il existe. Voilà. Cité sous anonymat, le journaliste d'un grand titre britannique s'interroge ainsi sur les effets du SMC sur son propre travail. Sur des questions telles que les cultures génétiquement modifiées, où les points de vue sont multiples, seules les opinions des grands acteurs établis sont fournies. Le SMC représente les intérêts des entités qui le financent. Pour savoir où se situe le vrai et le consensus établi dans les différentes prises de position, les journalistes scientifiques font d'ordinaire un tour de table auprès de scientifiques avec lesquels ils ont noué une relation de confiance. Ce travail, réalisé à partir d'un carnet d'adresses fiable, constitué au fil du temps, est désormais opéré par le SMC, qui contrarie le travail ordinaire des journalistes, tout en facilitant leur existence pressée. L'offre du SMC est en effet parfaitement adaptée au travail, pardon, au travail en ligne et au travail en distance pour les rédactions qui n'ont pas conservé d'équipe de journalistes scientifiques ou qui n'ont pas les moyens d'en avoir. À condition d'être accrédité, n'importe quel journaliste armé d'une dépêche d'agence et de quelques kits de réaction rapide présélectionnés par la méga agence de presse peut rédiger, en peu de temps, un article sur les OGM, sur le climat ou l'énergie. Avec son offre de service adaptée aux contraintes d'économie et de productivité des rédactions, le SMC est l'outil accompli de diffusion de la sound science à l'ère du fact-checking et de la chasse aux fake news. Il ne relaie que le point de vue de consensus, en faisant parfois passer pour telle la position des firmes. Malgré la mise en garde des associations de journalistes scientifiques, les arguments de consultants en relations publiques ont ainsi été injectés au cœur même du système de circulation de l'information. Lorsqu'on le sollicite pour un entretien, James Woodhouse aime recevoir dans sa maison cossue, à proximité d'Earnshaw Place, un quartier bourgeois de Londres, verre de vin à la main, entouré de meubles élégants. L'homme semble apaisé, totalement converti aux vertus du marché. Ce spécialiste de la question des technologies est pourtant un fondateur historique de la Revolutionary Communist Tendency, RCT, et du Revolutionary Communist Party, RCP, créé en 1981 en scission d'International Socialiste, une branche britannique de la 4e internationale, l'internationale trotskiste. Comme je disais, c'est aussi le cas de la directrice du Science Media Center de Londres, Fiona Fox. C'est visiblement pas si rare. Hein. Voilà. Et on va retrouver, encore une fois, en France, dans la FIS, des gens qui sont encore trotskistes. Voilà, et qui sont les propagandistes zélés d'un
productivisme pro-industrie hallucinant, tout en étant encore trotskiste, c'est bizarre que ça puisse sembler. Salut Megacarpi, et coucou à toi aussi. Alors, Twisted Punk nous dit « Il y a des observations qui laissent penser qu'il existe un petit effet lamarckiste. Notamment, il a été montré que les enfants de parents qui ont subi une famine dans leur vie sont plus petits qu'eux, et que les petits-enfants regrandissent. » En tout cas, c'est ce que prétendent les néo-lamarckiens. Alors, c'est pas une prétention, ça. C'est les effets de l'épigénétique. Ça a été montré pour une famine en Hollande qu'on constatait des effets. Alors, non pas petits, justement, peu. On constatait encore des effets chez les petits-enfants. Donc il y a eu une famine une année, dans les années 60, je crois, et on constatait encore, ou à moins que ce soit les effets des petits-enfants qu'on constatait encore dans les années 60, je ne sais plus. Mais voilà, c'était en Hollande. Et alors ça, c'est un truc que tout le monde reconnaît. L'épigénétique, c'est un truc que tout le monde reconnaît. Mais les néo-lamarckiens vont plus loin que constater l'existence de l'épigénétique, parce que l'épigénétique, elle perdure pas sur 20 générations, quoi. C'est vraiment pas à moi qu'il faudrait demander. C'est à Aurélie qu'il faudra demander tout ça. À part la surprise de voir qu'il existait un courant sérieux néo-lamarckien, j'ai pas les moyens d'en dire beaucoup plus. Il y a quelqu'un, mince, on est un peu fâché à cause d'autres choses. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà ? Qui est actif sur Twitter, à qui vous pouvez poser la question. Icarus sur Twitter. @Icarus9837-8742. Voilà, qui est très au fait de ces courants. Si vous voulez lui poser la question, je pense que ses DM sont ouverts. Alors, il y a Berugino, salut, dit, fais gaffe, tu parles à une chaussette. Mais c'est pas du tout une chaussette. C'est une manique. C'est une manique. Aurélie dit, je vous écoute, j'attends de vous voir vous embourber. C'est pas cool, Aurélie. On va rien faire. Moi, je me garde bien d'intervenir, parce que même si j'écoute avec attention quand nous faisons nos émissions, je me garde bien de faire semblant d'être devenu en quoi que ce soit compétent sur cette question. Il ne faut pas déconner. Alors, on va reparler donc de la Revolutionary Communist Party. Il fait partie d'une petite troupe d'anciens militants radicaux qui ont capturé, en quelques années seulement, tous les étages de la politique publique britannique de médiation scientifique, impulsant la création du Science Media Center et animant Sense About Science, qui est un think tank sous perfusion d'argent privé, mais qui prétend défendre la science amateur au nom des citoyens ordinaires. Consultant à son tour depuis des années, James Woodhaisen travaille maintenant pour une liste impressionnante de clients. Axo, Orange, Novartis, Microsoft, Deutsche Telekom, Heineken, British Gas, Electrolux, Unilever, etc. En complément de salaire, il occupe un poste de Visiting Professor à la London South Bank University, une université publique. Difficile de croire que l'on échange là avec le fondateur d'un groupuscule marxisant qui a semé la terreur sur les campus anglais des années 70. Un groupuscule qui serait tombé dans l'oubli des recompositions des sous-tendances de l'extrême gauche ou des bifurcations de ses anciens militants passés du Colmao au Rotary, s'il ne bénéficiait aujourd'hui de financement américain de la fondation de la famille d'industriels Corr et de réseaux libertariens, à l'issue d'une trajectoire en contre-pied systématique de la gauche. Oh, j'en profite, juste comme ça, au passage, rapidement. On a déjà parlé de Larouche dans un chapitre précédent, Lyndon Larouche, donc voilà, qui est le fondateur américain de ce qui est en France Solidarité et Progrès, donc qui est un pur libéral maintenant, on pourrait dire néo-conservateur. Alors je crois que j'avais dit qu'il venait du maoïsme, mais j'ai vérifié, et lui aussi vient du trotskisme, en fait. D'abord des Quakers, puis du trotskisme. Et finalement, pour devenir régagnant. D'accord. Mais c'est. Il y aurait beaucoup de choses à dire si on parlait politique de la manière dont, quelquefois, le gauchisme sert d'entrée vers la droite, en fait. Ouais. Il y a, il y a, euh,
un livre qui s'appelle Les intellectuels contre la gauche. Alors, l'auteur, c'est un historien américain. Salut à toi, Inland Ravioli. Et c'est pas joli, joli d'attendre dans notre chute avec appétit, espèce de crocodile. Voilà, Michael Christopherson, donc, qui a écrit un bouquin sur la situation française, notamment ce qui s'est passé avec les néo-philosophes, ce qui s'est passé aussi avec la revue Esprit, c'est-à-dire la gauche catholique. Voilà, la CFDT, voilà. Et c'est. Christopherson montre assez bien de quelle manière, en fait, ces gens se sont droitisés en contournant le PCF par sa gauche. En défendant, donc, par exemple, les néo-philosophes, c'était presque tous, pas Bernard-Henri Lévy, mais tous les autres, étaient Mao, en fait. Et donc, ce qui fait que dans les années 60, ils étaient spontanéistes, donc ils étaient à la gauche de la gauche du Parti communiste. Ils ont fait une manœuvre de contournement par la gauche de PCF pour arriver à la droite. Voilà. Ils se sont perdus dans les couloirs. Hein. pas vraiment, c'est pas si rare. Hein. Mais par exemple, si vous voulez des informations sur l'autogestion, choper une brochure de la CFDT des années 70. Hein. C'est, ils parlaient que de ça, voilà. Ils parlaient que d'autogestion. Quand au mieux le PCF parlait de co-gestion, c'est le même parti. Ouais, on pourra aussi parler du PSU de Rocker, qui était l'aile gauche du socialisme français. Rocker, c'est pas vraiment l'aile gauche du socialisme français quand il est premier ministre dans les années 90. Au contraire, c'est plutôt l'aile droite. Quoi. Ouais. C'est un phénomène assez intéressant de voir. Ça demanderait vraiment à être étudié. Le bouquin de Christopherson est un bon début, je trouve, là-dessus. C'est sur le libertarisme, à proprement parler, j'ai quelques bons souvenirs de Vivre et penser comme des porcs de Châtelet. Tu as lu ça? Oui. Ça date, hein, c'est une lecture de 30 ans pour moi, mais... Ouais, pareil. Je crois me souvenir que c'était pas mal. Et alors, j'avais aimé à l'époque. Ouais. Voilà. C'est pareil, hein, lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary, un des pauvres. La question de son auteur et de ses rapports avec des trucs abjects, notamment la pédophilie mise à part, c'est un pamphlet qui m'avait beaucoup plu à l'époque, mais je ne l'ai pas relu depuis 20 ans. Donc voilà, si on lisait maintenant en plus, ça serait fortement connoté parce que j'ai appris sur le mec depuis, donc c'est un peu compliqué. C'est compliqué, ouais. Mais pour le Châtelet, je sais pas, ça méritera peut-être d'être relu aujourd'hui à l'aune. Je veux dire, Christopherson, effectivement, il est pas neutre, mais il fait pas semblant de l'être. Hein, donc. Il fait pas semblant de l'être. Il y a énormément de choses qui méritent d'être rappelées. Qu'on va trouver dans ce bouquin, par exemple, sur la trajectoire du totalitarisme comme artefact historique et la manière dont finalement c'est globalement un artefact qui a été abandonné par l'historiographie plus récente, qui était déjà abandonné en grande partie au moment de l'émergence de la pseudo-critique du pseudo-totalitarisme dont les néo-philosophes se sont fait la voix au moment de l'affaire Solzhenitsyn, en passant totalement sur le fait que Solzhenitsyn était très très clair sur le fait qu'il n'était pas neutre non plus et que c'était déjà un connard d'extrême droite de la pire espèce. Enfin, vous reprenez les interviews de Solzhenitsyn dans les années 60, il n'y a aucun doute possible sur son tsarisme et son côté intégriste orthodoxe. Enfin, aucun doute. Il ne s'en cache pas. Il fait pas semblant. Je reconnais l'honnêteté d'ailleurs. Mais bref. Suze, tu te trompes complètement. Ce que tu ne sais pas, en fait, c'est que Gaël a en fait un petit appareil Bluetooth dans la bouche et c'est cet appareil qui pilote la marionnette. Tout à fait. On est à la pointe de la technologie ici.
D'après Michael Fitzpatrick, l'un des rares militants auteurs d'une auto-histoire du RCP, la mouvance ne compte. Alors, RCP, c'est, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'était quoi déjà? Merde, c'était un mouvement communiste, c'était la Revolutionary Communist Tendency, RCT. RCT. Ah, RCP, c'est autre chose, merde, c'est le suivant. Ah oui, c'est Revolutionary Communist Party. Excusez-moi. Une auto-histoire du RCP, la mouvance ne comptait que quelques douzaines de militants dans les années 70 et n'atteindra que 200 sympathisants à son apogée dans les années 90. Néanmoins, le groupuscule a toujours réussi, selon lui, à compenser son faible nombre de militants en maintenant un haut niveau de visibilité à travers ses campagnes et sa propagande. De fait, le nombre de groupes éphémères lancés par ses activistes depuis les années 1980 force l'admiration. Bien connu des chercheurs sur le lobbying, le site Powerbase recense plus d'une quarantaine de think tanks lancés par les mêmes militants. Academic for Academic Freedom, Institute of Ideas, East London Science School, Hands of the Human Footprint, Center for Parenting Culture Studies, Transport Research Group, London International Research Exchanges, Culture Wars, Feminists for Justice, Gender Watch, etc. etc. Nous ne détaillerons pas dans ce livre la trajectoire politique de ce groupuscule. Merci Stéphane Foucard. Quand même, d'autres l'ont fait, très bien. Précisons simplement que s'il emprunte des traits au trotskisme classique, il met aussi très tôt l'emphase sur l'enjeu du nucléaire et s'oppose frontalement à l'écologie politique telle qu'elle se diffuse alors sur les campus. Ces décalages sont notamment très visibles dès les années 70 dans les discours de Frank Furdy, le leader du groupe. Né en 1947, à Budapest, qui est une ville qui, comme vous le savez, n'existe pas, ce militant et futur sociologue est issu d'une famille d'abord décimée par les nazis, puis forcée à s'exiler de la Hongrie, menacée en 1956 par les soviétiques. Après avoir grandi au Canada et suivi des cours de sciences politiques à l'université McGill à Montréal, Frank Furdy part terminer ses études au Royaume-Uni dans les années 70 et sera recruté à l'université de Kent en 1975. Marxiste déclaré, Frank Furdy tient cependant en horreur toutes les formes de bureaucratie militante, se réclamant du socialisme et se plaît à énoncer la ligne idéologique de son petit groupe. L'évolution d'une gauche radicale classique vers une position compatible avec l'ultralibéralisme s'opère au fil d'une dizaine d'années. Sous ses inflexions et celles de James Woodison, ce groupe de militants va s'éloigner toujours plus des rives de la gauche classique. Pendant les élections de 1979, qui verront la victoire de Margaret Thatcher, le RCP se démarque d'abord par ses attaques répétées contre le grand parti de gauche britannique, le Labour, et une campagne virulente en faveur de l'abstention. Deuxième point de clivage, le rapport à l'extrême droite. Face aux succès électoraux du National Front, le groupuscule accuse les associations antiracistes de développer un antifascisme étroit, narrow antifascisme, et propose plutôt de façon fantasmée d'encourager l'organisation des militants immigrés en milices d'autodéfense pour riposter directement. Est-ce que je suis pas d'accord avec ça? Ben, j'allais dire pareil. Je dis ouais, mais tout à fait. Je veux dire, au moment où Chamberlain avait l'écoute du roi d'Angleterre et où le fascisme montait en masse en Angleterre, prenait du pouvoir, de l'importance, c'est les gaffes dans la gueule et les coups de poing qui ont mis un point d'arrêt à la montée du mouvement. Je vais vous retrouver une vidéo qui parle d'un événement qui a été un événement pivot sur la lutte antifasciste. Des prolos dans les années 30 en Angleterre, et vous verrez assez bien l'antifascisme moral montre très 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 vite ses limites, et à un moment donné la politique du poing dans la gueule devient une larme. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher chez les anglo-saxons. Il suffit de se souvenir comment SOS Racisme a escamoté les luttes des groupes de racisés qui étaient effectivement organisés de façon plus militante, plus vindicative et beaucoup plus légitime. Et, la marche dite des beurs. Carrément. Ouais. Voilà. Comment on en vient d'une auto-organisation immigrée à touche pas à mon pote, exactement. Où un blanc s'adresse à un blanc au sujet d'un type qui est dans la pièce. Hein.
Mais ça se fait entre nous, quoi. Ça se fait entre blancs, c'est ça qui est bien. C'est quand même un sale moment, cet escamotage. J'en ai des C'est clair. souvenirs très, très précis. Que dit Patasceptique? Il dit, en même temps, entre Soljenitsyne et un connard, et que entre Soljenitsyne, qui était un connard nationaliste, et les critiques de l'antitotalitarisme qui baignaient dans le léninisme ou le stalinisme vieille France, je préfère mon ours en peluche. Ouais, on n'est pas obligé de choisir, Patasceptique. Entre le stalinisme et C'est ça, on n'est pas la obligé. vraiment enfin, c'est ce truc et alors, on en parlait avant le début de cette édition là On parlait du campisme. parlait du campisme et alors je parlais d'un truc hein, et la façon dont on va parce qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose parce qu'on n'aime pas quelque chose on va le noircir totalement on peut rien faire de bien. Et bah, c'est un truc que souligne Christopherson. Et encore une fois, Christopherson n'est pas neutre. Je veux dire, c'est un marxiste-léniniste. Donc, il défend son bout de gras quand il s'attaque aux antitotalitaires. Mais par contre, ce qu'il dit sur l'existence d'une forme d'autonomie ouvrière sous le stalinisme, c'est pas une invention et c'est raccord avec la littérature scientifique sur le sujet. C'est pas parce que le stalinisme était une horreur qu'il était une horreur en tout. Voilà. Non mais Suze, tu prends un risque considérable, tu ne connais pas les opinions politiques de son ours en peluche. Donc ne dis, on ne sait pas, on ne sait rien, il s'est bien gardé de nous le dire, et je serais méfiant à ta place. Donc c'est sur la chaîne d'Honorbox que je veux vous montrer. Je vais vous trouver le lien. Pendant ce temps-là, Pendant ce temps-là, je Laurent, vais si tu veux bien. continuer ma petite lecture. Voilà. Alors qu'ils promeuvent déjà la liberté d'expression, free speech, et affirment leur opposition à l'écologie politique, les disciples de Frank Furedi provoquent la haine croissante des autres formations de la gauche radicale. Le Revolutionary Communist Party, des débuts, prend des orientations audacieuses, écrit en 2010 le journaliste Jenny Turner. Il s'intéresse particulièrement à la science, à la médecine et à la santé reproductive. Dans une brochure de 19... C'est quoi la santé reproductive? Je ne sais pas. Dans une brochure de 1940... Tu sais, toi? Non? Dans une... L'avortement. Comment? L'avortement, la contraception, enfin tout ce que fait le plateau quoi. Ça s'appellerait la santé reproductive. C'est l'expression, je ne connaissais pas. Dans une brochure de 83, le NHS, National Health System, le système national de santé, hein, le système de santé publique en Grande-Bretagne, est décrit comme un système qui n'a jamais fourni que des services de troisième ordre à bas prix pour la classe ouvrière. L'énergie nucléaire est, elle, potentiellement plus sûre et moins dangereuse pour l'environnement que les autres méthodes de production d'électricité existantes. Les préoccupations écologiques relèvent d'une politique de l'évasion. Voilà, ça, ce sont leurs déclarations. Durant la grande grève des mineurs de 1984, le RCP prétend que la grève serait imposée aux ouvriers par la bureaucratie des syndicats. On voit une forme de campisme trotskiste. Exactement, ouais. Ils Il y a une appellent. forme d'antifascisme aussi. Alors, c'est pas trop chez les trotskistes, mais dans mon propre camp politique, il y a une très très mauvaise lecture d'une fameuse citation d'Amadeo Bordiga, donc, qui était le chef de file de la gauche communiste italienne, qui avait dit que l'antifascisme était le pire produit du fascisme. Et qui est interprété comme voilà chez certaines personnes issues de l'ultra-gauche, de la gauche communiste, comme étant une critique de l'antifascisme au sens large. Alors que ce que visait Bordiga, qui était quand même, enfin quand même était assigné à résidence pendant des décennies sous le régime mussolinien, hein, avec tous ses partisans qui étaient en exil parce que menacés de mort dans l'Italie mussolinienne, c'était pas tellement de dire qu'il fallait pas lutter contre le fascisme, c'était plutôt de parler des politiques d'union sacrée face au Front populaire qui étaient instrumentalisées par les staliniens pour voilà mettre à leur service des gens qui, hors menace fasciste, leur auraient même pas donné l'heure. C'est pas exactement la même chose que de dire qu'il faut pas lutter contre le fascisme parce qu'on a mieux à faire, quoi. L'idée de base de Bordiga, c'était surtout que le fascisme, la montée du fascisme était inévitable sans le contre-feu qu'aurait été une révolution communiste, en fait. Alors, on peut discuter de cette idée, mais c'est pas la même.
C'est C'est pas vrai. du tout la même. Voilà. Voilà. Il appelle à plusieurs reprises à l'organisation d'un vote au-dessus des organisations syndicales et va même jusqu'à attaquer des piquets de grève. Bah oui, allons-y carrément. D'une posture d'avant-garde gauchiste qui se vit au-delà des représentants du monde ouvrier, le groupuscule évolue vers une critique systématique des formations de gauche et son discours se rapproche de certains discours libéraux. On va retrouver encore une fois des idées similaires chez Christopher Sohn. À compter de 1985, la revue du ACP, The Next Step, la prochaine étape, devient un hebdomadaire. Des antennes sont lancées dans la plupart des villes de taille moyenne, y compris en Écosse ou au Pays de Galles. La discipline en vigueur reste cependant typiquement trotskiste. Chaque nouvel arrivant se voit confier à un mentor et doit mener un travail doctrinaire. Les jeunes étudiants de bonne famille, repérés du côté d'Oxford University, de Covent Garden et de Sloane Square, constituent le vivier de recrutement privilégié. Il s'agit... C'est intéressant. Que dis-tu? C'est assez intéressant, je trouve. Dans une perspective marxiste, quand son vivier privilégié, c'est la bonne société de la gentry britannique, alors on sait déjà que l'idée que ces gens pensent faire d'un mouvement prolétarien va être hautement idéologique, au sens marxiste du terme, est négatif. Bref. Excellent, Suze. Et Trotsky tue le ski. Ouais, exactement. Ah, ça, bravo. J'avoue, ça faisait longtemps que Suze ne nous avait pas donné un joli calembour. Merci. Voilà. Toujours compter sur elle. Ouais, heureusement qu'elle est là. Il s'agit de mettre le compte en banque de leurs riches parents au service du parti. Les nouveaux militants doivent aussi comprendre que toute position progressiste passe par la défense des avancées technologiques. Marx mettait en avant le rôle joué par les évolutions technologiques, comme l'invention de la machine à vapeur, dans les grandes évolutions du capitalisme. Les responsables du HCP en tirent la conclusion qu'un vrai marxiste doit s'intéresser aux évolutions technologiques pour devancer la marche vers la révolution. Alors ça, finalement, j'ai plein de trucs à dire. C'est cool. Ils ont quand même amputé Marx de ses réflexions sur l'obsolescence, hein. Quand même, ouais, par ouais, exemple. Sur le rôle que les innovations technologiques jouent dans la baisse tendancielle du taux de profit, par exemple, sur la manière que Marx décrit avec colère, parce que contrairement à une opinion générale fort répandue, même si la critique que Marx fait du capital n'est pas une critique morale, il y a une morale marxiste. Donc la manière dont Marx décrit avec colère la façon dont le travail va être morcelé, et notamment par l'intermédiaire de la machinisation, où l'ouvrier devient un élément de la machine qu'il pilote. On ne peut pas dire comme ça que Marx considère que la machine, c'est bien. Ah, pas du tout. On ne peut pas non plus dire qu'il considère que c'est mal. Je suis d'accord avec lui sur ce point. Mais il est éminemment critique de la manière dont le capitalisme utilise la machine. Ça, c'est... Comme avait écrit Constant Neudonis, donc situationniste, dans un des premiers numéros de la revue, ceux qui encensent la machine et ceux qui la rejettent montrent la même incapacité à s'en servir. Voilà. Ce point de vue justifie un véritable travail d'endoctrinement scientiste qu'a raconté sur les réseaux sociaux Tim Martin, une ancienne recrue aujourd'hui enseignant au London College of Communication. Ils, donc les responsables du RCP, hein, sont alors vraiment dans le technicisme. Le technicisme est pour moi analogue à la façon dont Marx définit le fétichisme des marchandises au niveau le plus abstrait. Il s'agit d'une fausse représentation de la dimension sociale des relations de production, comme si on pouvait les saisir à travers les formes techniques qui leur donnent une apparence tangible. Au niveau de l'existence sociale concrète, ce qu'on appelle la technologie n'est pas l'infrastructure de Marx. Elle n'est que le nom que le pouvoir confronté aux travailleurs donne à un pouvoir technique fétichisé sur le plan idéologique. Là-dessus, pour préciser, l'infrastructure chez Marx, c'est même pas l'économie. L'économie pour Marx, c'est l'idéologie. C'est le mode de production, c'est les rapports de production. C'est ça qui fait l'infrastructure. Et là-dessus, encore une fois, nouvelle tangente, mais on vient direct avec la critique de Marx du capitalisme et avec la façon dont le sens commun,
le bon sens et les critiques de la technologie façon pièce et main d'œuvre partagent une conception commune de la technologie, du rôle historique de la technologie. Voilà, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est voilà, il y a l'imprimerie et du coup paf crac, il y a la réforme et puis il y a une sécularisation et puis paf paf. Il y a la machine à vapeur et clac, révolution industrielle. Alors que dans les faits, la technologie arrive toujours d'une manière seconde. Et Marx le sait très très bien. Je veux dire, il vient de l'hégelianisme de gauche et cette idée, voilà, de Hegel parlant de la poudre à canon. Le monde en a eu besoin et soudain il fut là. Il sait très très bien que ça s'applique globalement à toute technologie. Plus, on n'en est plus à Marx maintenant, on a le recul. Pour ceux qui ont lu Les Intellectuels au Moyen-Âge, par exemple, donc c'est un bouquin qui date pas d'avant-hier, hein, c'est un bouquin qui a presque un siècle maintenant. Les universités s'étaient considérablement développées à la fin du Moyen-Âge et le travail de copiste était devenu, de libraire, était devenu central. Il y avait des ateliers de libraires considérables, en fait, parce qu'il y avait un besoin de livres qui était totalement inédit. Et c'est parce qu'il y avait ce besoin que la machine à imprimerie a pu trouver un public qu'elle n'aurait pas eu sinon. Pour la machine à vapeur, juste pour rappel, l'héliotype de Héron d'Alexandrie, c'était une machine à vapeur développée à l'époque de l'Empire romain. Héron d'Alexandrie est allé le présenter à l'empereur, et je peux vous dire comment ça s'est passé. Donc on a Héron d'Alexandrie qui arrive. Une des premières fois que j'ai entendu parler de ce truc, c'était dans un pseudo-documentaire scientifique à l'américaine, où il y avait un mauvais historien, et j'insiste sur mauvais, qui disait, vous rendez compte, on est passé à deux doigts d'une révolution industrielle à l'époque de l'Empire romain. Mais non, on n'est pas passé à deux doigts, on est passé à un monde. Héron d'Alexandrie est arrivé devant l'empereur, il lui a montré son machin, donc c'est une boule qui tourne avec la vapeur, et l'empereur lui a dit, bah, c'est sympa, ça sert à quelque chose ou c'est juste décoratif? Héron d'Alexandrie, ah bah, ça sert à... Par exemple, imaginez, on met un fléau, on attache un fléau à la boule, elle tourne et elle bat le blé tout seul. Et l'empereur, bah oui, mais enfin bon, moi j'ai des esclaves pour faire ça. Les esclaves, si on ne trouve pas à les occuper, après ça leur donne des idées, puis ils se révoltent. On s'est payé trois guerres serviles sous la République. Vous voyez pas que c'est peut-être pas forcément une bonne idée de les mettre au chômage. Bon, écoutez, votre machin, je le garde pour faire marrer les potes pendant les orgies, mais maintenant il faut nous laisser, il y a du travail. Quoi. Et alors... on est passé au monde au moment où la machine à vapeur est réinventée par deux personnes en France et en Angleterre. Il y a des ateliers de manufacture qui se sont considérablement étendus et dans lesquels la machine à vapeur peut venir aider à amplifier un phénomène qui est déjà là. De la même manière, les chemins de fer... Pour rappel, les chemins de fer, au départ, c'était un bricolage pour créer des voies de cabotage à un endroit où on n'avait pas de rivière, pour amener les métaux des mines de Glasgow au centre industriel britannique, des mines du Pays de Galles au centre industriel britannique, parce qu'on n'avait pas de rivière pour le faire. Donc on crée une voie de halage, en fait, avec des rails. Et au début, c'était par traction animale. C'est du bricolage. Et c'est encore une fois pour amplifier une situation qui est déjà là. Quoi. Et ça va creuser un sillon. Ça va avoir un effet historique. Et ça va avoir un effet historique dans un sens qui est déjà le sens de l'histoire à ce moment-là. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est pas pour rien que si vous regardez les gares des années... du 19e siècle, elles sont encore construites sur le modèle des voies des gares fluviales, parce que c'est le concept mental, en fait, qui sert de base au chemin de fer.
C'est des choses qu'on a déjà abordées sur ce live par rapport aux inventions dans les domaines artistiques de l'impression et au développement de techniques d'impression spécifiques. Ce ne sont pas elles qui rendent possibles les gestes artistiques, etc. En fait, la technologie ne se développe que quand elle est fondée en sens et en demande par une nécessité déjà établie socialement, et pas le contraire. Elle ne la crée pas. Donc, il ne faut vraiment pas penser à l'envers. Et pour répondre à Suze, Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie. C'est une erreur de croire que c'est ça dont il se prévaut, et dont se prévaut l'invention de Gutenberg. Mais c'est bien des caractères mobiles en plomb. Faut pas, en Europe aussi, tu sais, on imprimait depuis longtemps, Suze. On imprimait toutes sortes de choses, sur des tissus, sur du papier, mais avec, par exemple, si on voulait faire des pages, il fallait graver une page entière en bois. Enfin, il y a une modalité, si tu veux, d'impression qui était coûteuse dans tous les sens du terme, pas très intéressante. Mais la vraie révolution gutenbergienne, c'est le caractère mobile en plomb. Et ça, on ne peut pas lui enlever ça. C'est ma formulation qui était fautive pour nous. Oui, mais ceci dit, c'est une erreur très, très souvent commise. On ne peut pas reprocher à Gutenberg de ne pas avoir inventé un truc qu'il ne prétend pas avoir inventé. Ben, voilà, c'est... Quand Dodi Papa invente la coco de Seb, quand on reprend les flashs de Coluche, il ne copie pas l'héliotrope des rondelles et cendriers, il l'invente réellement. Même si ça a déjà été inventé avant, il y a des choses qui ont été inventées plusieurs fois. Oui. Ça ne serait pas du tout incompatible. De toute façon, non. Parce qu'on oublie aussi des petits trucs, beaucoup. Donc, déjà, il y a plein de choses. Il y a tout un tissu, une relation générale à la notion d'outil et d'invention. Mais ça pourrait faire plutôt l'objet d'un live complet sur cette question. C'est tout à fait. C'est effectivement passionnant. Alors. Donc, qui, a priori, étaient des jeux pour intellectuels, hein, les piles électriques de l'époque. Il n'était pas question de faire marcher des portables avec. On a des piles électriques qui datent de l'Antiquité. Voilà, quand on réinvente la pile électrique, mais voilà, c'est, encore une fois, pour prendre un autre exemple, le World Wide Web sur lequel on est en ce moment répond à un impératif qui était déjà décrit dans les années 60 par Marshall McLuhan sous le nom de village global. Pour l'imprimerie, voilà, pour les caractères mobiles d'impression, pour la machine à vapeur, pour les chemins de fer, pour Internet, comme disait Hegel pour la poudre à canon, le monde en a besoin et soudain, ça fut là. Salut voilà. Skyjo, bienvenue à bord. Alors, on poursuit sur ce que nous dit Tim Martin, l'ancienne recrue du London College of Communication, quand elle décrit les programmes de nos ex-marxistes néolibéraux. Ils étaient impitoyable face à mes tentatives exploratoires théoriques, notamment Sabena Norton, qui était mon mentor et considérait ma capitulation à ce propos comme cruciale. Parmi les textes qui généraient ces débats, celui de Donald Mackenzie, Marx and the Machine, qui était proche de ma position sur le besoin de développer une histoire critique de la technologie. Au nom de ce marxisme de campus, la ligne pro-science des disciples de Frank Furedi continue de s'affirmer à la moitié des années 80. Pour le compte du RCP, James Woodhuizen contribue notamment au Radical Science Collective, le collectif radical pour la science. Un petit groupe étudiant qui défend la science amateur partout en Europe. Inspiré par le mouvement américain Science for People, la science pour les gens, et la British Society for Social Responsibility in Science, société britannique pour une responsabilité sociale de la science, ces jeunes étudiants en sciences et en philosophie des sciences ont lancé un journal intitulé Radical Science, science radicale. À Londres, ils tiennent régulièrement des réunions qui rassemblent les animateurs de tous les journaux équivalents sur le continent. Je précise quand même rapidement sur Mackenzie, c'est quelqu'un qui vient de l'université d'Édimbourg, qui vient de la même université, donc c'est un sociologue des sciences, qui vient de la même université que l'école d'Édimbourg, le programme fort en sociologie des sciences, dont les habitués savent que j'y suis très très attaché, voilà. La sociologie des sciences de Berns et Bloor. Pour moi, je pense que les positions critiques sont quasiment, c'est dans le nom, quoi, critiques, beaucoup plus compatibles avec la pensée de Marx que ne l'est un marxisme scientiste, quoi. Marx réclame de nous une attitude critique. Voilà. Si on veut pas,
si on veut pas le voir s'exclamer encore, ce que je sais, moi, c'est que je suis pas marxiste, c'était un peu pour les mêmes raisons, ça serait sympa de s'en souvenir. Alors, Suze, oui, ce n'est pas contradictoire. Le fait que les Chinois aient pu inventer des caractères mobiles, c'est-à-dire qu'on puisse avoir inventé la même chose dans deux endroits différents, certes, mais j'ai bien insisté sur le fait que ce soit en plomb. Et ça change énormément de choses d'un point de vue pratique pour les techniques de l'imprimerie, notamment parce qu'un caractère en bois est non seulement plus fragile, mais il doit être retaillé à chaque fois. Alors que si tu fais une matrice, qu'on appelle un glyphe, en plomb, tu peux inlassablement le refondre et produire des casses, donc si tu vois, des ensembles de caractères typographiques assemblables qui n'ont besoin d'être créé en quelque sorte qu'une fois. Il faut en créer le moule. Ça change beaucoup, beaucoup de choses dans l'industrie du livre à ce moment-là. Mais oui, bien sûr, je ne nie pas l'invention chinoise. Hein. Je relativise par rapport à ce qu'a vraiment mis en place Gutenberg et le vrai poids finalement de son invention. Là-dessus, il y a une tendance à... Il y a une tendance qui part d'une bonne idée et d'une bonne intention à relativiser l'histoire occidentale. Oui. Alors, et ça conduit à des situations bizarres, en fait. Faudrait qu'on en reparle plus longuement, ça serait une longue tangente. Ouais, okay. Mais ça conduit quand même à des situations bizarres où l'histoire occidentale serait la seule qui n'aurait pas de particularité, quoi. Et en fait, et au nom d'un déplacement de regard, le fait de présenter cette histoire comme n'ayant pas de particularité, ça lui redonne le caractère universel que justement on essaie de lui enlever, et c'est un sacré paradoxe. Donc vraiment, ça serait un objet de débat très, très intéressant. C'est vrai. Et puis c'est pas que plus solide, hein, ça engage plein d'autres types de mouvements dans la chaîne de production qui sont assez différents, le fait de fondre les caractères. Mais par contre, ça répond à quelque chose qui existe déjà, c'est-à-dire une diffusion de plus en plus grande, de plus en plus intense du livre à un moment très particulier de l'histoire de l'Europe, où effectivement le livre devient un support qui tend largement à se vernaculariser et qui est associé aussi à d'autres réalités sociales et religieuses à ce moment-là. Mais bon, on va rentrer vraiment dans toute l'histoire du protestantisme et de la diffusion des Bibles, et peut-être que ce n'est pas le moment, en fait, mais ouais, ce sera avec plaisir. Au bouquin des intellectuels au Moyen-Âge et à la manière dont, même avant le protestantisme, le rôle de libraire devient de futur imprimeur, quoi. Devient un rôle central. Carrément. Dans un moment où l'université devient grosse consommateur de livres. C'est ça. Et où on commence à buter sur les conditions matérielles de production du livre, et les libraires ne peuvent plus fournir. Donc c'est encore une fois, ça répond à un besoin préexistant. C'est comme ça que fonctionne. C'est ça, qui est déjà installé comme une réalité, une exigence sociale, une nécessité. Ça part toujours des nécessités, en fait. Et ça ne crée pas des nécessités. Voilà. Puis, en novembre 1988, le ACP lance une nouvelle revue mensuelle intitulée « Living Marxism ». Il développe alors un discours systématiquement pro-technologie et anti-écologiste, ainsi qu'un propos critique sur les politiques sociales et les politiques de santé. L'une de ses théories avance que la lutte contre le sida serait un élément brandi par la droite pour provoquer une panique morale et favoriser le retour des valeurs victoriennes en mettant fin à la libération sexuelle. Alors là, moi, j'ai grandi là-dedans et je me souviens très clairement de la circulation de ce discours. J'ai vraiment baigné là-dedans. Ouais. C'est intellectuel au Moyen-Âge, effectivement. Mmh. L'écart... Pardon ? Juste comme ça, oui, c'est bien le Goff. Oui. L'écart... Ça l'amuse beaucoup parce qu'il fait exprès d'employer un néologisme, enfin... un terme anachronique, parce qu'il y a une peur panique de l'anachronisme qui n'est pas sans raison chez les historiens. Voilà. Je tease un petit peu mon article sur l'épistémologie de l'histoire, que je suis toujours... Il sera question d'anachronisme. Comme ça, tu t'obliges à l'écrire. tu fais cette avance dangereuse et nécessaire des gens qui sont en train d'écrire et qui ont du mal à finir. Tu te mets dans la situation de finir obligatoirement parce que tu en as trop dit. Voilà,
C'est bien, c'est un bon moyen de travailler en fait. Après, tu te sens obligé, donc tu vas jusqu'au bout du truc. L'écart avec le reste de la gauche se creuse alors encore plus. Si le parti maintient une position anti-guerre, il ne se contente pas de renvoyer dos à dos les différents impérialismes. Durant la crise des Malouines en 1982, il défend l'Argentine contre la Grande-Bretagne. Donc, moi, je me souviens plus très très bien de la guerre des Malouines, mais c'est un ensemble d'îles qui appartenaient à la Grande-Bretagne, c'est ça? C'est Thatcher qui est très impopulaire et qui décide de créer une guerre, donc qui dit les Malouines c'est à nous. Et le truc c'est que les îles des Malouines, il n'y a rien, hein. Y a rien dessus, c'est des cailloux quoi. Mais les Argentins, qui ont aussi leur propre problème de politique intérieure, le pouvoir argentin, c'est au large de l'Argentine en fait, l'archipel des Malouines. Et du coup, ils disent non, non, c'est à nous, et paf, guerre, et paf, l'Argentine se fait démonter par la Grande-Bretagne, évidemment. Mais ça a été le, comment dire, un bon moyen pour à la fois pour l'Argentine et pour la Grande-Bretagne de Thatcher, pour le pouvoir en Argentine comme en Grande-Bretagne, de se justifier par un sursaut de nationalisme. Voilà, c'est une belle saloperie de la guerre des Malouines. Alors, c'est en partie grâce à cette guerre qu'elle a réussi à se faire réélire. Je sais pas, Suze. Là, vraiment. C'est tout à fait grâce à cette guerre. Ouais. C'est pas seulement en partie, mais en grande partie. D'accord. Après la guerre des mineurs, elle était fortement impopulaire. Très, très fortement impopulaire. Et c'était une saloperie de la pire espèce, mais c'était une femme très intelligente. Oui. On lui doit quand même la glace italienne. Hein, Ah bah alors. Non, mais c'est un truc de connard, la glace italienne. Son idée, c'était de dire, on va vendre de l'air au prix de la glace. Mais c'est tout ce qu'elle faisait était hautement calculé. Quand elle était allée dans une école de prolo pour dire à un gamin qui avait jamais vu d'argenterie de sa vie, probablement, ta maman, quand elle fait l'argenterie, c'est oui, la glace italienne, c'est britannique, oui. Le Porto aussi. Comme quoi. Et c'est Thatcher, ouais. C'est Thatcher. C'était une chimiste à la base de Thatcher. Comme Stengers. Elle le fait exprès. Le coup de l'argenterie, c'est une provocation. Elle le fait tout à fait exprès. C'était très calculé de sa part. Durant la guerre du Golfe, il souhaite la victoire de l'Irak. À la chute de l'URSS, il est plus que jamais persuadé de détenir la bonne clé de lecture. Le RCP est officiellement dissous en 1996, mais la revue Living Marxism continue de paraître. Sobrement rebaptisée LM, lundi matin, le magazine est même très dynamique jusqu'au début des années 2000. Oubliez la pauvreté et parlons des vrais enjeux, propose en 1996 son rédacteur en chef, Mick Hume, pour résumer le tournant éditorial. Il n'y a plus de vrai clivage droite-gauche sur des sujets aussi divers que l'environnement, la peur de la viande, la peur de la viande, la violence masculine ou l'école. L'idée commune est qu'un magazine qui contient le mot marxisme dans son titre devrait se consacrer à protester contre le chômage, la pauvreté, la réduction des aides sociales et d'autres problèmes engendrés par le capitalisme. Cette Bah, du notion, coup, si tu, ouais. mais Si cette tu, si tu rebaptises ton journal LM, du coup, il n'y a plus marxisme dedans, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. oui, c'est une manière de tordre le problème. Cette notion réduit le marxisme à une forme de populisme économique pour les pauvres. D'accord. Va te Donc faire foutre. si vous réduisez le marxisme au marxisme, c'est vraiment vous faites quelque Ouais. chose de mal. Il faut le réduire au libéralisme. Voilà. 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 Et ensuite, ben, vous n'avez plus qu'à imploser parce que vous ne comprendrez même plus les mots qui sortent de votre bouche. Sur les questions de politique internationale, les articles sont de plus en plus provocateurs, notamment ceux rédigés par deux sœurs issues d'une famille catholique galloise, Claire et Fiona Fox. Donc on en a entendu parler tout à l'heure, Fiona Fox, recrutée par la bande à Furji sur le campus de Warwick. Claire proteste à l'époque contre le politiquement correct. Elle est aujourd'hui eurodéputée pro-Brexit sur la liste du populisme d'extrême droite, Nigel Farage. En 1995, Fiona écrit un article sur le Rwanda, où elle minimise la dimension génocidaire en insistant sur le rôle joué par les puissances étrangères et accuse les instances humanitaires de construire des prisons au lieu d'amener de la nourriture.
C'est elle qui dirige aujourd'hui la science, le Science Media Center. Alors, je vais juste dire un truc, pour ceux qui sont un peu jeunes dans le chat et qui pensent que la guerre ouverte contre le spectre du woke par les actuels droitards et ultra-droitards, elle existait déjà dans les années 90 et effectivement, elle avait juste un autre nom, c'était le politically correct. C'était une façon comme une autre de produire cette espèce d'adversité complètement imaginaire. Et il y avait une floraison de publications ironisant sur le politically correct qui avait pratiquement les mêmes objectifs, je dirais les mêmes descriptifs, le même narratif que ceux que vous pouvez entendre aujourd'hui sur le woke. Oui, tu allais dire quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui m'énerve dans la citation. Vas-y. Donc, qui vient de l'article de Jenny Turner, World Day, visiblement, si je me fie à la note. Alors, accuse les instances humanitaires de construire des prisons au lieu d'amener de la nourriture. Alors, si c'est tout ce qu'elle a reproché à l'article de Claire Fox, je suis désolé de l'apprendre à la personne qui a écrit cet article, mais il y a de quoi dire là-dessus. Je vais me chercher de l'eau, vas-y. Les comptes dits de réfugiés créés par l'opération Licorne, donc l'opération humanitaire française, dans lequel ils ont tranquillement laissé les génocideurs continuer à faire leur basse besogne de génocide, tout en du coup échappant à une justice ma foi fort méritée. Il y a énormément de choses à dire sur la façon dont ces camps dits de réfugiés ont fonctionné effectivement plutôt comme des prisons que comme des camps de réfugiés. Donc, si c'est ce qu'elle a reproché à l'article, je suis désolé de le dire, mais pour le coup, Claire Fox a raison. Après, pour le reste, je n'ai pas lu l'article de Claire Fox en question, et si elle minimise la dimension génocidaire, oui, ça c'est grave. Mais insister sur le rôle joué par les puissances étrangères, surtout quand on vient d'un pays qui est une de ces puissances étrangères, c'est la moindre des choses. Insister sur le rôle, par exemple, en tant que citoyen français, contre ma volonté, parce qu'on ne m'a pas demandé mon avis, insister sur le rôle lamentable qu'a joué la France dans le génocide rwandais, c'est la moindre des choses. Ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on ne devrait pas lui reprocher. Minimiser le génocide, oui, mais il s'agirait de mieux le fonder que simplement constater qu'elle a dit des trucs vrais sur la façon dont la soi-disant aide étrangère s'est mise en place. Voilà. Juste. Ok. Attends, je fais une connerie, mais c'est pas grave. J'ai zappé mon propre chat. À chaque numéro, LM s'en prend désormais aux écologistes. Les contributeurs de la revue se plaignent que Tchernobyl soit devenu une métaphore de l'idée de destruction et d'empoisonnement dans une époque formatée par l'écologie et la conscience des risques. Ouais, j'ai vu ça souvent. Ah ouais. Pendant la crise de la vache folle, le magazine multiplie les articles tirant à boulets rouges sur les pouvoirs publics. Les origines de cette panique à propos de la viande ne se situent pas dans l'approche scientifique des maladies causées par le prion, mais dans une pathologie de notre société moderne. Voilà la bonne viande ! La bonne viande ! écrit Michael Fitzpatrick. Ce dernier, devenu médecin depuis, proteste d'ailleurs contre le triomphe de la terminologie de l'addiction dans les politiques publiques de santé, qu'il assimile à un symptôme de morbidité sociale. Certains articles assurent que le combat contre les semences transgéniques ralentit les progrès de la thérapie génique. Les opposants aux OGM sont assimilés à des militants anti-science. C'est hyper cool. Alors on est en pleine confusion. Enfin, on joue d'une confusion en tout cas. À partir de 1995, la ligne d'argumentation liant défense de la science et critique des écologistes passe à un degré supplémentaire de formalisation avec la publication d'un livre signé par deux anciens du ACP et aussitôt relayé par Living Marxism. Bénéficiant d'une large campagne de publicité, Science and the Retreat from Reason se présente comme un livre de philosophie discutant avec des penseurs de la science comme Karl Popper ou Thomas Kuhn. La stagnation économique et les conflits militaires ont conduit à l'abaissement des espoirs placés dans la science, y affirment ses auteurs, pour qui la dimension émotive de l'écologie doit être contrecarrée par une meilleure éducation scientifique, mais aussi par des changements politique profond. Là, on réentend l'écho de tout ce qui était dit sur les hystériques d'écolo dans le premier chapitre. On est vraiment complètement sur ce genre de take.
Ouais. Mais l'abandon du marxisme est également patent sur d'autres sujets abordés dans la revue, qui ouvre ses colonnes à des auteurs œuvrant pour des think tanks ultralibéraux comme l'Institute for Economic Affairs et le Center for the Defense of Free Enterprise. Le parti a été dissous, mais ses membres continuent de multiplier les groupes de propagande et lancent des campagnes tout azimuts, en les mettant désormais au service de leur nouvelle ligne pro-science et pro-industrie. Les chefs du Parti révolutionnaire avaient théorisé la disparition de la classe ouvrière et la nécessité d'adapter la stratégie révolutionnaire en infiltrant les lieux de pouvoir. Dès les années 2000, des chercheurs et des journalistes britanniques supputent que les militants ont poursuivi leur bataille idéologique sans parti mais par d'autres moyens. Des articles parus dans la presse britannique s'étonnent de la présence simultanée de plusieurs militants de l'ex-RCP dans les médias et dans les instances de décision scientifique. Certains estiment que ces militants pro-science et anti-écologistes ont tout simplement troqué l'étoile rouge pour la propagande au service de l'industrie et mis leurs compétences au service de firmes multinationales soucieuses du marché de l'information scientifique. Petite pause quand même pour ventiler tout en étant un petit peu amusé par la formulation pro-science. Elle est extrêmement courante et ça doit m'arriver d'employer. C'est assez marrant parce que je suis pro-science. C'est cool les sciences. Enfin, vraiment, je suis fan. Vous dire pro-science pour parler de scientisme, en fait, qui est encore autre chose, ça me fait toujours bizarre. Mmh. Et je pense que ça ne nous fait pas de bien, en luttant contre le scientisme, d'utiliser des terminologies comme pro-science. Ça laisse entendre qu'on ne le serait pas, alors que, évidemment, qu'on l'est. Je veux dire. Autant que je me souviens, Camille Laurence, c'est en fréquentant les milieux rationalistes qu'il a eu, voilà, qu'il est allé de surprise en surprise et qu'il a fini par rédiger son histoire du courant rationalisme en France. C'est un militant pro-science, Camille Laurence à la base. Voilà, pareil oui. Pour. Je ne doute pas que Stéphane Foucard, qui est journaliste scientifique, soit fondamentalement pro-science également. Oui. Oui, tout à fait. En plus, il me semble que Foucard est non rationaliste. Enfin, je veux dire, oui. On est tous des militants pro-science. Le truc, en fait, c'est que je ne considère pas que ces gens sont des militants pro-science, je considère que ces gens sont des militants pro-industrie, ce qui n'est pas la même chose. Les sciences, ils en ont rien à battre. En réalité, ils en ont rien à battre. Ils sont pro quand ça les arrange, ils sont anti quand ça les arrange pas. Ce qui est assez marrant, parce que c'est typiquement le genre de procès qui nous font. Mm. Voilà. Oui. Je veux dire, quand on s'attaque à l'évopsie, on s'attaque à l'évopsie sous l'angle du manque, on est raison ou tort, c'est un autre débat, mais du manque de scientificité de l'évopsie, du peu d'assises épistémiques que l'évopsie a. Ça ne fait pas de nous des militants anti-sciences. Quand l'AFIS, pour se foutre de la gueule d'un journaliste, rappelle que sur le chlordécone, il a mis en garde contre des dangers, vous avez vu, ça c'est anti-science. À l'époque où ils écrivent cet article, il y a longtemps qu'on les connaît, les dangers du chlordécone. Voilà. Ça fait 3 décennies qu'on les connaît, les dangers du chlordécone à l'époque. Donc ça c'est anti-science. Voilà. Ouais, c'est bien de le préciser. En 2008, dans un article en forme de règlement de compte, l'ancien militant Mike Small, devenu lui-même journaliste au Guardian, fait un petit inventaire des positions de pouvoir occupées désormais par ses camarades. Une bonne partie d'entre eux sont aussi journalistes, certains sont médecins, d'autres universitaires ou consultants. Mais beaucoup occupent des positions au sein d'institutions gouvernementales liées aux questions scientifiques. Mike Small relève ainsi que Juliette Tizard, ancienne membre du réseau LM, travaille pour l'autorité sur la fécondation et l'embryologie humaine, Human Fertilization and Embryology Authority, l'organisme public qui accorde les autorisations pour les recherches conduites sur la question des embryons humains au Royaume-Uni et les surveille. Une autre militante, Emily Jackson, figure dans le conseil de direction du même organisme. Mike Small poursuit son énumération et affirme que les anciens membres du RCP contrôlent une grande partie de l'infrastructure formelle de communication publique utilisée par l'establishment scientifique et médical.
Ils détiennent des positions au sein de Science About Science, du Science Media Center, du Genetic Interest Group, du Progress Educational Trust, de Genepool et du British Pregnancy Advisory Service, service britannique de conseil en matière de grossesse. Ils se sont servis de leur situation pour promouvoir les intérêts des secteurs de la pharmacie et des biotechnologies et ignorer les inquiétudes du public et des organisations non gouvernementales. Comme le RCP était la minuscule scission d'un sous-groupe trotskiste avec une petite poignée de disciples, comme la plupart de ces individus qui ont pris ces postes ne possèdent pas de formation scientifique, et comme ce mouvement possède une longue tradition d'entrisme, la colonisation de ces institutions par ses anciens membres n'est probablement pas le fruit du hasard. Trotskisme, il y avait un militant de gauche communiste française qui avait essayé de dégager les particularités de la théorie trotskiste, et quand on était venu à la conclusion que sa seule particularité, c'était l'entrisme. Mais bon. Plusieurs personnes peuvent être ajoutées à cette liste. Phil Mullan, directeur de la maison d'édition Global Future. Anne Furdy, compagne de Frank Furdy, directrice de communication de l'agence gouvernementale chargée des questions de procréation médicalement assistée. Tracy Brown et Hélène Raphaël, deux anciennes étudiantes de Frank Furdy, employées du même cabinet de relations publiques. Comme le souligne le célèbre chroniqueur du Guardian, George Monbiot, dès 2003, les membres de ce groupe semblent même tenir un temps les programmes science et environnement diffusés sur Channel 4 et sur la BBC. Ils se servent de ces émissions, donc qui sont Equinox, Against Nature, Attack of the Killer Tomatoes, Counterblast, Zeitgeist, pour soutenir que les écologistes sont des sympathisants nazis qui empêchent les humains d'exploiter pleinement leur potentiel. Alors là, il y a une petite note qui va à la fin du livre, donc je suppose que Foucault et ses amis circonstancialistes nous disent d'où vient cette phrase, qui est une citation entre guillemets. D'un article de George Monbiot qui s'appelle The Invasion of the Entryist. D'accord. C'est assez marrant parce que je crois qu'il y a une référence film Z là-dedans, tout comme Attack of the Killer Tomatoes. J'ai vu. D'où le qui a été les débuts au cinéma de mince, comment est-ce qu'il s'appelle déjà ? Clooney. George Clooney, qui a réalisé sous pseudonyme et qui a réalisé le deuxième la deuxième entrée de la série. L'attaque des tomates, d'ailleurs. Voilà, c'était le petit passage culturel important. Tout à fait, très important, très culturel. C'est ça. C'est de la haute culture. Si vous ne savez pas quoi faire de vos sous, donnez-les à la trauma. Ils ont fait des merdes. Ils ont fait des merdes intéressantes et ils ont même fait des trucs que je qualifierais même pas de merdique. Mais bon. Le journaliste relève aussi que Frank Furdy a commencé à écrire pour le droitier Center for Policy Studies, fondé par Margaret Thatcher et Keith Joseph, et qu'il contacte des chaînes de supermarchés pour leur proposer d'éduquer leurs consommateurs pour 7500 livres. C'est surtout... C'est rien, une misère. C'est surtout autour de son think tank, l'Institute of Ideas, IOI, que le groupe a lancé sa reconversion la plus spectaculaire. Lancé en 2000 par Claire Fox, ses campagnes reprennent la ligne éditoriale sous le slogan « Ban nothing, question everything ». N'interdisez rien, interrogez-vous sur tout. L'IOI, se trouve alors au croisement des deux réseaux. Parfaitement intégré aux instances culturelles britanniques, il bénéficie du soutien de ses anciens militants devenus universitaires et affiche fièrement les sponsors de la Tate Modern, de la British Library, du British Museum, de la National Portrait Gallery et d'à peu près toute la bureaucratie culturelle la plus sélecte. Et on voit pas trop ce que la Tate Modern vient faire là-dedans, par exemple. Ouais, même les autres. Hein. Enfin, je sais pas, la National Portrait Gallery. Enfin, oui, c'est bizarre, oui. Grâce à son autre carnet d'adresses, le think tank est soutenu par les défenseurs les plus extrêmes du libre-échange. The Institute of Economic Affairs, le Cato Institute, le Center for the Defense of Free Enterprise des États-Unis, ou encore The Reason Foundation, mais aussi par les financements de firmes et d'organisations des secteurs de l'alcool, Saab Miller, de l'agrochimie, des biotechnologies, CropLife International, de Pfizer, de Shell, etc. À partir de 2001, l'IOI se met à organiser chaque année deux jours de débat, les Battles of Ideas, les batailles d'idées. Ticket d'entrée à 80 livres, environ 130 euros à l'époque, pour assister à 74 débats organisés en simultané au Royal College of Art de Londres.
C'est pas les. On peut s'arrêter. C'est les conférences textes, en fait, non? Ça ressemble à ça. Non, c'est des battles. Et on peut s'arrêter 3 secondes sur cette idée de débat d'idées, parce que typiquement, le débat d'idées n'est pas. Ce genre de battle-là n'est pas un bon moyen pour chercher la vérité sur quelque chose. Pas du tout. C'est quelque chose sur lequel il ne peut pas y avoir de contrôle direct sur ce qui est en train d'être dit, et où l'avantage sera toujours à celui qui aura la meilleure rhétorique. Et je n'ai strictement rien contre la rhétorique, parce que la rhétorique, c'est la discipline de l'art de convaincre, et elle est neutre par rapport à ce dont on essaie de convaincre ou pas. Par contre, et c'est ça qui est important, si on essaie de chercher la vérité et pas d'emporter la conviction, ça n'est pas le meilleur outil. Voilà. C'est même un outil qui a énormément d'effets pervers. Cette idée-là de Marketplace of ID, où on va organiser des débats et où, grâce à ces débats, on verra qui c'est carrément, c'est une idée qui est extrêmement, extrêmement dangereuse. Ça n'est pas le. Ça, enfin, organiser des clubs de débat, mais dans ce cas-là, dans les clubs de débat, on tire au sort la position qu'on est censé défendre. Au moins, les choses sont claires. On ne défend pas ses idées, on n'essaie pas de convaincre. C'est un pur jeu rhétorique, et ça peut être très rigolo. Mais ce mélange des gens entre le débat rhétorique et l'idée qu'on va faire émerger la meilleure idée, c'est caca. Voilà, c'est de la merde. Battle for energy, battle for work, battle for reproductive choice, etc., etc. La plupart ont pour objectif de forger des argumentaires en contrepoint des discours des gauches classiques et environnementalistes. Les programmes des battles affichent les logos d'une cinquantaine de sponsors, dont ceux de Shell ou PricewaterhouseCoopers. Dans son compte-rendu de la 5e édition pour la London Review of Books, la journaliste Jenny Turner en décrit l'ambiance. Si l'activisme des débuts persiste, il est clairement mis au service de l'industrie dédiée à la défense brutale et répétitive d'un agenda libertarien superficiel. Hors battles, les événements de l'IOI sont systématiquement sponsorisés par des groupes privés, comme Forest, un groupe lancé par les industriels du tabac. Les anciens du RCP occupent tous les postes de responsabilité de l'IOI et de ses satellites. La revue LM, quant à elle, s'est arrêtée en 2000 en raison d'un procès en diffamation, perdu pour avoir nié les massacres en ex-Yougoslavie. Mais elle... Mais elle ressuscite aussitôt sous la forme du web magazine Spiked. Officiellement édité par une entreprise dirigée par Frank Furdy et Ellen Goldberg, une ex-RCP, son rédacteur en chef est Mike Hume, l'ancien rédacteur en chef de Living Marxism. Cette continuité avec l'histoire du RCP et du Living Marxism est frappante, si ce n'est que le petit groupe édité désormais un web magazine très sponsorisé. Parmi les firmes qui financent Spiked, le cabinet historique des cigarettiers, Hill & Knowlton, IBM, Luther Pendragon, une firme de relations publiques qui travaille pour Exxon, Orange, O2, Pfizer, la Wellcome Trust, l'International Policy Network, fondée par Exxon, entre autres, le Social Issue Research Center, fondée par l'industriel de l'alcool et l'agroalimentaire, dont Coca-Cola, Diageo, Masterfood, PIM, Sugar Bureau, TOPP et Wine Trade Action Group, la Tech Central Station, fondée par l'américain Beverage Association, Coca-Cola, Exxon, McDonald's, Intel et Microsoft. Ainsi, Spiked lutte contre la stigmatisation des fumeurs, en arguant que l'air appartient à tout le monde. Alors, on peut faire stigmatiser personnellement, voilà. Mais l'argument « l'air appartient à tout le monde », c'est très drôle. C'est comme si on autorisait toutes les industries à venir chier dans votre eau potable en disant « mais l'eau appartient à tout le monde, enfin ». C'est d'autant plus marrant de la part de gens qui s'inscrivent dans une perspective issue du néolibéralisme, à partir du moment où c'est une perspective qui verrait d'un très bon œil qu'on privatise l'air. Puisque tragédie des commons, tout ça, il faut que les biens communs deviennent privés pour permettre leur meilleure gestion, une gestion plus responsable et tout ce genre de conneries. Je crois avoir déjà plus ou moins évoqué la tragédie des commons dans... Ouais, dans un des lives, ouais. Vous savez tout le mal que j'en pense. Pour les gens qui me suivent sur Twitter, j'avais fait un court thread
sur la tragédie des Commons et pourquoi c'était une honte que cet article ait été aussi souvent cité et le soit encore, à partir du moment où il est construit sur des a priori qui sont complètement démentis par la science historique, et qu'il parle d'un objet historique, donc en toute méconnaissance de cause, à partir de son idéologie de merde. Bref. Voilà. Ainsi, Spike lutte contre la stigmatisation des fumeurs, donc en arguant que l'air appartient à tout le monde. Ex-RCP également, Rob Lyon. Il défend le bonheur de manger du sucre. Le futur consultant James Woodenhausen peste contre l'idée d'assimiler le pari en ligne à une addiction. Croisé dans le troisième chapitre de ce livre, alors qu'il était en train de forger la fable du DDT pour Philip Morris, Roger Bate, directeur du think tank climato-sceptique European Science and Environment Forum, apporte également sa pierre à l'édifice intellectuel des anciens révolutionnaires. Quelle classe. Ouvrez les guillemets. Il semblerait que les anciens du RCP fonctionnent désormais comme une association ombrelle pour une kyrielle de think tanks sous un large éventail de sujets. Concernant notamment les médias, la censure ou la régulation, écrivait l'activiste de gauche Dave Walker dans un article prophétique en 1998. En 1997, alors que ces derniers livres sont attaqués par des articles de presse, Frank Furedi rétorque qu'ils ne peuvent être considérés comme marxistes car il se considère lui-même comme un humaniste libertarien. Dès 1999, le leader a pressenti que la répétition des crises sanitaires ouvrait la possibilité d'une prise en main des débats sur l'information scientifique. Il écrit une note valorisant la culture du risque pour l'European Science and Environment Forum de Roger Bate. Ainsi, il contribue dès son lancement à une lettre à destination des décideurs, The Risk of Freedom Briefing, financée par Japan Tobacco International et initiée par le philosophe conservateur Roger Scruton. Scrotum ? Non, Scruton. Avec Bill Durodier, un ancien contributeur de Living Marxism, il s'y alarme du fait que du lien fait par le Premier ministre entre principe de précaution et responsabilité des savants, quand vient l'heure de la prise de décision politique. Au même moment, une étude conduite par un médecin, publiée dans la prestigieuse revue The Lancet, prétend établir un lien entre le vaccin rougeole au rayon rubéole et l'autisme. L'étude frauduleuse d'Andrew Wakefield sera rétractée quelques années plus tard. Mais entre-temps, l'information... Pause rapide sur Andrew Wakefield. D'accord. Si, là, quelqu'un aura probablement le lien, mais Harry Brevis, qui est à la chaîne YouTube Edge Bomber Gay, a fait une super vidéo sur cette affaire. Tu as un lien ? Ouais. Alors, est-ce que je le cherche ou est-ce que quelqu'un... je pense que je ne dois pas être le seul à suivre Edge Bomber Gay dans le chat, hein, voilà, sur Wakefield et son étude. Voilà, comment on sait qu'elle est frauduleuse. D'accord, bah ça m'intéresse. Comment on connaît les raisons précises de Wakefield, qui n'était pas à l'origine d'être anti-vaccin, mais... de préparer le terrain pour un brevet, pour un vaccin alternatif qu'il avait donné contre rougeole, le rayon, rougeole. Voilà, avant de devenir une stèle des antivax, hein, et de changer son fusil d'épaule. Pata sceptique, c'est pas bien de répandre des fake news dans le chat, et aucun lien n'a été scientifiquement établi entre l'usage du mot communiste et la rage de dents. Ça n'est pas vrai, c'est complètement une fake news. Bon, je ne vois personne qui mette le lien. Donc tu vas le faire, hein. Ok. Mais entre-temps, l'information erronée a été relayée dans un certain nombre de médias auprès du public. Cette nouvelle affaire liée à la science autour des vaccins, cette fois, est une aubaine pour les militants trotskistes reconvertis. Ils peuvent alors plaider pour la création d'une nouvelle politique de défense de la bonne information scientifique. Au Royaume-Uni, les suites de la crise de la vache folle et les rumeurs autour des vaccins qui perlent au fil de la seconde moitié des années 90 marquent ainsi un tournant dans le débat sur l'information scientifique. Elles ouvrent une fenêtre d'opportunité aux industriels et aux consultants de tout poil. En réaction à ces années où le principe de précaution a été mis au cœur de la décision politique, les augustes représentants de la Chambre des Lords lancent une réflexion.
En 2000, ils auditionnent à tout va. Des autorités savantes, mais aussi des représentants de l'industrie et du secteur privé. Confédération de l'industrie britannique, GlaxoSmithKline, Wellcome Trust, des responsables des médias et de la BBC. La confiance du public dans l'expertise scientifique donnée au gouvernement a été mise à mal, concluent les parlementaires au terme de leur enquête. Les décisions. Dites au chat, ça va aller le communisme machine là Non, le communisme ne donne pas mal aux dents. Les décideurs se doivent de faire face à ce malaise que de nombreux citoyens ressentent désormais face aux avancées rapides des biotechnologies. Une crise de confiance de la plus grande importance pour la société et la science britannique. Les élus proposent que les journalistes n'emploient le mot « risque » qu'avec parcimonie et cherchent à réformer les modes de circulation de l'information scientifique. Fort de leur position dans le monde universitaire et culturel, disposant désormais des relais puissants offerts par l'industrie, les anciens du RCP entrevoient la possibilité d'une institutionnalisation de leur position au sein de l'establishment scientifique britannique. En 2000, la question de la médiation scientifique est portée à l'agenda des travaux de la commission scientifique de la Chambre des Lords. Dans le cadre de la rédaction d'un rapport intitulé « Science et société », plusieurs acteurs du privé auditionnés proposent la création d'une nouvelle institution dont le rôle serait de surveiller l'opinion autour des enjeux scientifiques et conduire le débat avec le public. Enfin, avec, on imagine que pas vraiment. Hein. Les parlementaires rejettent l'idée, donnant d'abord plus d'importance aux problèmes liés à la façon dont des journalistes des grands titres non chargés des questions scientifiques peuvent produire des effets de distorsion. Laurent, tu vas être content, par contre, je sais que tu détestes l'anglais. La vidéo de Edgemont Burgay est sous-titrée en français. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Ouais, je pourrais donc aller la voir. Ils envisagent un temps un développement du dialogue public au niveau européen autour des enjeux impliquant la science, initié par le gouvernement britannique qui pourrait prendre la forme d'une agence de presse scientifique. Mais deux autres idées poussées par les anciens du RCP lui font concurrence. Le Science Media Center, donc, est une nouvelle pseudo-ONG qui permettrait de repenser le lien entre scientifiques, politiques et médias, Sense About Science. Créée en 2002, cette organisation, à but non lucratif, poursuit, selon ses statuts, des buts qui relèvent de l'intérêt général tout en étant financée par des dons provenant de firmes ou de fondations de scientifiques ou de sociétés savantes. Sa première mission, faire progresser l'éducation du public sur les avancées de toutes les branches de la science, y compris les sciences sociales, en particulier à travers la diffusion de la recherche et de toute information utile à propos de cette recherche. Sa deuxième, promouvoir au profit de la communauté le savoir et la compréhension du public, voire stimuler l'intérêt du public pour la recherche scientifique et ses applications. Tu détestais l'anglais ou l'anglais, demande Glitch. Ouais, j'ai vraiment une horreur absolue de cette langue. Elle m'a été très largement imposée dans des cadres où je me serais bien passé de cette imposition. Et j'ai vraiment fini par la prendre en horreur, Glitch. C'est une autre histoire. Je crois que tu n'as même pas une sainte horreur du hollandais, alors que c'est une langue horrible. Ah oui, non. Non, j'aime beaucoup le flamand. C'est une aberration. Ce truc ne devrait pas exister. C'est une langue délicieuse pour la poésie, le flamand. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je préfère pas de poésie et que le flamand n'existe pas. Quelle honte. Créée en 2002, cette organisation, j'ai déjà lu ça. Sa première mission, faire progresser, ça y est, je sais plus. Sa deuxième mission, promouvoir au profit de la communauté le savoir et la compréhension du public, voire stimuler l'intérêt du public pour la recherche scientifique et ses applications. Pour ce faire, l'équipe de Sense About Science est censée faire quoi, à votre avis? Fournir aux médias, aux décideurs et au grand public des conseils sur les enjeux scientifiques. Elle doit aussi produire des supports éducatifs sur les questions scientifiques, aussi bien pour le public que pour les professionnels de la santé. Mais ces animateurs du débat public ont aussi pour tâche de répondre et contrer les fausses informations en fournissant au public des preuves scientifiques et même de promouvoir l'importance du conseil scientifique indépendant pour les politiques publiques. Tout ça a l'air très vertueux, dit comme ça. Dans l'équipe en question, certains ne sont pas des inconnus. Au conseil d'administration siègent en effet d'anciens activistes du RCP et de LM. Fiona Fox, Michael Fitzpatrick, déjà mentionné, Tracy Brown, Phil Mulan, Hélène Raphaël, mais aussi des scientifiques comme Sir Brian Happ, biologie de la reproduction, Dame Bridget Ogilvie, parasitologie, et Sir John Maddox, physicien.
La capacité d'influence des ex-propagandistes de Living Marxism change alors totalement de dimension. Ils sont officiellement responsables d'une politique publique de médiation scientifique au service de tous, au sein d'une organisation dédiée. Ils sont liés aux libéraux et aux industries américaines les plus puissantes qui financent leurs activités. Mais ils ont aussi, désormais, leur entrée à la Chambre des Lords et dans l'aristocratie britannique. Car Sense About Science n'aurait jamais vu le jour sous le coup de pouce de l'un de ses plus éminents représentants, Lord Dick Taverne. Mais oui, Glitch, Spinoza était néerlandais, il a écrit son petit traité en néerlandais et pas en latin. Bon, comment a-t-il rencontré la bande à Furgi ? Tandis qu'un chaton blanc juché sur ses genoux, ça y est, on est reparti. Ça fait drôle, il y a des ruptures de ton des fois. Je vais essayer de vous le faire bien. Tandis qu'un chaton blanc juché sur ses genoux défait méthodiquement toutes les mailles de son pull, Lord Taverne reste évasif. Lors d'un entretien dans son appartement à proximité du palais de Westminster en janvier 2019, il assure que ce sont seulement ses tribunes favorables aux OGM dans la presse qui lui ont permis d'acquérir une visibilité auprès des membres du réseau LM. Donc ce chat, évidemment, vous vous en doutez, est de droite comme tous les chats. Après la parution de ces articles, des gens sont venus me voir et m'ont dit « C'est totalement vrai, qu'allez-vous faire pour ça ?» Alors, j'y réfléchis et je me suis dit qu'on devait faire quelque chose de proactif pour combattre ce mouvement anti-science. J'avais écrit ces articles et j'étais en position de réunir les différentes instances scientifiques. La société, la Royal Society, la Safe British Science Group, le Medical Research Council, la Fondation Wellcome qui promeut de nombreux travaux de recherche. Toutes ces instances scientifiques. Et j'ai dit, regardez-nous. Faisons face à un mouvement anti-science très vigoureux. Vous vous opposez. Nous, comment ? Nous, regardez, nous faisons face. Oui, c'est ça. Oui. Vous vous opposez à cela, mais vous ne faites que réagir après coup. Nous devons être proactifs. Et ce dont nous avons vraiment besoin, c'est une nouvelle organisation activement engagée dans le combat contre les mouvements anti-science. Et j'avais deux industriels sous la main qui m'ont dit « Vous avez absolument raison, nous allons chacun donner 15 000 livres pour vous trouver un bon directeur et démarrer votre mouvement. » D'après la journaliste américaine Lisa Gross, l'un d'entre eux était British Petroleum. Lord Taverne s'était déjà investi... Comment ? Très prochain, ce BP. Oui. Ouais. On leur doit le sale coup de l'empreinte carbone. Bref, c'est le par. Lord Taverne s'était déjà investi dans l'animation d'un think tank libéral, Institute for Fiscal Study. Depuis sa nouvelle position à la Chambre des Lords, il mobilise le même réseau pour le mettre au service de cette initiative et lui trouver des fonds. Par chance, poursuit-il, j'ai trouvé cette brillante directrice, une jeune femme très brillante, Tracy Brown, qui est toujours directrice maintenant. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir des gens très dynamiques pour devenir membre du conseil d'administration. Brillante directrice qui est très brillante et toujours directrice. Et je vous ai dit qu'elle était brillante ? Vous l'ai-je dit ? Elle n'avait pas de diplôme scientifique, mais elle avait fait de la sociologie. Peu de temps après que l'on eut commencé, qu'elle eut développé son réseau, j'ai rencontré les gens de la Royal Society et on m'a dit « Vous savez, quand Tracy Brown nous dit de sauter, on saute tous !» Voilà. Bon. Reprenant à son compte les vieilles terminologies issues du mouvement social autour de l'éducation populaire à la science comme Science for People, que certains ex-RCP ont bien connu, Sense About Science présente la Sound Science comme ce que réclament les gens ordinaires. L'ordinaire entre guillemets. Oui, entre guillemets, ouais. Une tactique habile pour que les décideurs politiques prennent enfin la science en compte. Habile, oui, enfin, c'est quand même un tout petit peu grossier, hein, un petit peu. Hein. Dans l'une... Ça marche, parce que ce n'est pas aux gens ordinaires auxquels ça s'adresse en réalité. Oui. Ça s'adresse aux gens qui méprisent les gens ordinaires. On les entend, mes guillemets. Moi, je ne sais pas très bien dire les guillemets. Hein. J'espère que vous les entendez quand je les mets. Dès novembre 2002, l'ONG publie une brochure destinée aux journalistes et aux décideurs qui explique comment fonctionne une revue à comité de lecture. Et bonsoir, Tati Kong. Les propos publiés dans une revue scientifique se distinguent d'une simple opinion car ils sont relus et évalués par des pairs. Est-il avancé, y compris si ces propos ont été payés par l'industrie ? Le projet est repris plus tard par les industriels américains. Une antenne américaine de Science About Science est lancée en 2014. Dans son bureau, Tracy Brown, mais aussi l'entrepreneuse Heather Dahl et Trevor Butterworth, un lobbyiste œuvrant pour le secteur de la chimie. Avec de tels parrains, comme le raconte la journaliste Lisa Gross, Sense About Science se met sans surprise à défendre l'industrie chimique et à promouvoir la voix des opposants à la régulation sur des dossiers comme l'amiante.
sur des dossiers comme l'amiante. Oui. Waouh. En 2004, toujours, elle lance une autre grande campagne à l'attention des jeunes scientifiques. Voice of Young Science, la voix de la jeune science, afin de repérer et de former certains chercheurs à intervenir dans le débat public. Une initiative relayée quelques années plus tard en France par la FIS. On l'aurait deviné. Ouais, oui, on ne s'en serait pas du tout douté. En 2005, Lord Dick Tavern publie un livre intitulé « The March of Unreason », la déraison en marche. Il y remercie, en ouverture, une demi-douzaine d'ex-militants du ACP. Du début à la fin, le livre s'en prend au vert, aux critiques des OGM et à l'aversion au risque, en reprenant les arguments avancés par Frank Furedi. L'année suivante, ce dernier publie « Culture of Fear Revisited », « Culture de la peur revisitée ». Dans cet ouvrage, aux accents similaires, il défend l'idée que le principe de précaution inhibe les relations entre les êtres humains et érode la dynamique sociale. Les scientifiques capables de résister à l'humeur de notre époque et confiants en leur capacité à faire ce qu'ils font ont un rôle très important à jouer aujourd'hui. Il est regrettable que de nombreux scientifiques se soient repliés sur eux-mêmes, en réaction à ce qui se passe actuellement, et soient devenus très défensifs, repliés sur leur expertise de niche et en retrait de leur rôle public. Ils doivent se battre. Cette figure... Oui, tu allais dire quelque chose. Non ? Moi ? Non. Cette figure du scientifique replié sur lui-même s'impose dans les nouveaux éléments de langage de ses militants pour la science. En 2007, par exemple, dans un article pour le magazine Prospect, Dick Tavern vante la figure d'Ingo Portricus, un biologiste suisse, apparu en couverture du Times en 2000. Ce héros de la science, selon lui, aurait empêché de développer le riz doré, un riz OGM développé dans le but de combler la carence en vitamine A, à cause de Ce héros de la science, selon lui, aurait été empêché de développer le riz doré, un riz OGM développé dans le but de combler la carence en vitamine A, cause de surmortalité et de cécité dans les pays pauvres. Le riz doré, c'est un argument pro-OGM extrêmement courant. Donc ça, on l'a déjà un peu abordé sur cette même thématique hein, dans un autre chapitre, le deuxième, je crois. Je ne me souviens plus, mais je crois, ouais. Quelques années plus tard, en 2010, Science About Science lance une importante campagne en faveur de la réforme du droit de la diffamation, libel reform. Selon l'organisation, les chercheurs qui acceptent d'entrer dans la mêlée et d'intervenir dans le débat public seraient victimes de procès, obligés de payer des dommages et intérêts exorbitants et donc inhibés. Au nom de la défense de la liberté d'expression, elle estime que tous les chercheurs doivent pouvoir discuter les preuves loin de toute stigmatisation et de toute intimidation. Petit aparté quand même, je ne connais pas le droit britannique sur la diffamation, mais en France, c'est une abomination. Mais c'est pas pour les raisons invoquées là, que je suis contre, ou d'autres. Ben, là, ce qui est drôle, c'est de faire un appel à l'intimidation. C'est toujours, clairement, le désir précisément est d'intimider toute possibilité de réagir à leur propre autoritarisme scientiste. Quoi. Il y a un renversement de la charge qui est très très courant. Et aussi un appel d'une modalité du discours public. En visant pourtant à le détruire. Je veux dire, par là, on retrouve les mêmes mécanismes qui font appel sans cesse à la demande de liberté d'expression par ceux-là même dont tout le programme politique est de la réduire à néant. Quoi. C'est quand même une des antiennes de l'extrême droite un peu fatigante, on va dire, pour dire les choses gentiment. Mais depuis 2013, la principale campagne de Science About Science qui mobilise 2,6 millions d'euros s'appelle Ask for Science, demander les preuves. Ask for Evidence, pardon, demander les preuves. Il s'agit cette fois d'éduquer les jeunes à appliquer la démarche scientifique, y compris lors de controverses. Or, dans les questions environnementales ou sanitaires, l'obtention des preuves scientifiques d'éventuels dommages est sinon impossible, au moins extrêmement complexe et en général, envisageable seulement après une longue période de latence, une fois les dégâts visibles et souvent irréversibles. Là-dessus, sur la question des preuves, on en revient un petit peu à ce que j'avais dit sur la culture du débat et le poids de la rhétorique. Parce que finalement, une fois de plus, c'est celui qui va arriver le mieux avec la rhétorique la plus rodée, en fait, qui va avoir
Je crois que la première fois que j'ai vu Zemmour, c'était il y a voilà, bien des années maintenant. Il était sur un plateau de télé, il était présentateur à l'époque, et il disait, il y a 20 millions de réfugiés chaque année, la France ne peut pas tous les accueillir. Et en face de lui, il avait un acteur, je ne sais plus qui était extrêmement choqué par son discours, mais qui n'avait pas les arguments. Notez que, au moins, la première partie de la phrase de Zemmour est vraie, sauf que ce que ça cache, évidemment, pour quelqu'un qui est informé, c'est que l'écrasante majorité des réfugiés partent dans un pays voisin, en fait, et pas vers l'Europe. Donc voilà. Alors, Du coup, comme le mec en face de lui avait pas les preuves, voilà, si on demande des preuves, Zemmour, il arrive préparé avec son truc, avec son discours de merde, et en face, on a quelqu'un qui n'a pas des preuves, mais qui est du côté de qui est du côté de la réalité quand même, quoi. C'est demander des preuves à brûle-pourpoint dans le fil d'une discussion, c'est parfois légitime. C'est souvent problématique. c'est souvent de l'intimidation C'est très, aussi. très, très intimidatif. C'est pas problématique gratuitement, évidemment. Bah, surtout que quand ça se noue de façon inextricable à des questions éthiques, la question de la preuve, elle doit être écartée. C'est au profit de choix affirmatifs du sujet devant un désir, une vision sociale. Tu n'auras pas cherché une preuve pour ce qui est d'une relation complètement éthique à ce que l'on doit faire pour considérer les autres humains. C'est pas l'endroit pour demander une chose pareille. Alors, pour répondre à Glitch qui dit perso, je me suis fait à l'idée qu'on passait notre vie entière à apprendre notre ou nos langues natives, je dirais quand même ceci, Glitch. Les langues ne sont pas des choses dont on dispose, ce sont des choses que nous faisons. C'est-à-dire, bien plus que d'apprendre ta langue, tu participes complètement, comme tous les sujets qui parlent une langue, à la constituer. Dit comme ça paraît très grossier, mais c'est important de garder en tête que la langue, on ne la connaît pas. Donc, si on a un rapport avec elle qui est un rapport, on pourrait dire, mausoléifiant, elle aurait une espèce de construction établie et il ne tiendrait qu'à nous d'être à la hauteur de cette construction, de lui répondre et de la redonner. On se trompe, on ne redonne pas sa langue, on la fait vivre. La langue est avant toute chose quelque chose qui est parlé et sinon, c'est juste un ossuaire. Voilà, la langue dont on a tendance à parler quand on dit apprendre sa langue n'est pas la langue. Elle est le dictionnaire, elle est la grammaire, et ceci n'est pas la langue. La langue, c'est tout ce que nous, tous ensemble, faisons, et tout ce que nous faisons en la parlant. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des règles de construction, mais il faut vraiment garder ça en tête. Après la trahison des images, la trahison du langage. Voilà, donc c'est vraiment important. Donc ça veut aussi dire un truc particulier par rapport à l'idée qu'on se ferait d'une légitimité à parler, qui est seulement établie sur un caractère minuscule et extrêmement local, qui est celui, on pourrait dire, des dépositaires précisément de ce fameux ossuaire dont je parlais, qui le reformule inlassablement et qui continue à le ceinturer. Je pourrais dire que ceux-là même qui se promeuvent comme les défenseurs de la langue dans son état sont ceux-là même qui la tuent et qui la maintiennent dans un état où elle cesse de respirer dans vos propres bouches. Donc je vous incline tous à ne pas accepter cet Pour rien, autoritarisme. volonté de l'enfant, en fait. Voilà. Expression. Alors, en réalité, le programme se déroule en deux étapes. Ah oui, non, pardon. À propos du fait que, généralement, c'est quand les dégâts sont visibles et irréversibles qu'on peut commencer vraiment à savoir de quoi on parlait. Mais ce Lessons About Science ne le rappelle jamais. En réalité, le programme se déroule en deux étapes. D'abord, éduquer les jeunes citoyens, ensuite, les envoyer auprès des députés. Un premier essai est réalisé en novembre 2016 au Parlement britannique. Puis l'expérience est reconduite en juin 2017 au Parlement européen. Les jeunes de différents pays, ainsi que des scientifiques et des citoyens présentés comme ordinaires, font le voyage à Bruxelles pour réclamer spontanément aux eurodéputés une evidence-based policy, des politiques publiques fondées sur des preuves. Parmi Oh, ces... Oui? est-ce que quelqu'un pourrait me retrouver? Ça va être un peu long à rechercher, mais il y a un excellent article de deux autrices sur les evidence-based policy qui montrent la manière dont l'evidence-based policy
peut se dégrader très facilement en policy based evidence. Donc voilà, si vous tapez evidence based policy, policy based evidence dans Google, vous devriez peut-être arriver à retrouver, je pense. Allez, au boulot, les viewers. Très bossé. Alors, qu'est-ce qu'on trouve parmi ces citoyens ordinaires? Mais je trouve ça drôle déjà d'imaginer qu'on compose. Alors, regardez un peu la politique des corps qui est pensée là. À part dès l'instant où vous prétendez faire une assemblée avec des citoyens ordinaires et d'autres gens, ça veut dire que ces autres gens sont inordinaires. Leur corporéité même, elle a comme une espèce de ligne de flottaison sociale, hein, au-dessus de laquelle elle ne participerait pas, je dirais, au même degré de matérialité que les autres corps. Et ça n'a aucun sens. Comprenez bien que si vraiment ça, on a quelque chose à dire des citoyens ordinaires, alors n'importe quel citoyen est un citoyen ordinaire, les scientifiques en question, les journalistes en question, y compris. Il ne peut pas exister quelque chose comme des citoyens plus ordinaires que d'autres citoyens. Si vous tracez cette ligne de partage, vous avez déjà commencé à museler une certaine partie de la population en la plaçant dans une espèce de... Enfin, vous vous placez dans un en-deçà ou un au-delà des constructions sociales. Ça n'a absolument aucun sens. Évidemment. C'est de la suggestion rhétorique, en fait. Voilà. Pas autre chose. Alors, j'ai réagi tellement tardivement avec ta bouche que là, on a vraiment eu un effet de doublage de cinéma d'horreur italien de 1980. Ta bouche a bougé peut-être 10 secondes après que tu aies parlé. Il faut vraiment que j'améliore ça, mais ma main commence à fatiguer. Pourquoi c'est doublé en post-prod. Donc, il y a souvent ce genre de problème pour ceux qui ne verraient pas de quoi leur on parle. Parmi ces citoyens ordinaires, un étudiant en mécanique nommé Panagiotis Koutsantonis. Tellement ordinaire qu'il travaille au même moment pour le bureau de lobbying de Toyota à Bruxelles, dans le cadre de sa thèse financée par l'entreprise. Ce lien n'est pourtant signalé nulle part sur le programme de l'événement. En parallèle à ces manifestations ciblant les députés, Science About Science milite pour la multiplication des postes de Chief Scientific Advisor, conseillers scientifiques principaux, auprès de l'exécutif. L'organisation appuie notamment la nomination de Anne Glover à ce poste auprès du président de la Commission européenne en 2011, à la suppression du poste 3 ans plus tard. Science About Science recrute pour son bureau bruxellois l'ancienne assistante de cette dernière, Sophie Van Tournout, qui s'investira fortement sur le dossier du glyphosate. Les créations quasi simultanées de Science About Science et du Science Media Center en 2002 ne sont pas un hasard. Comme le souligne la chercheuse Simone Roder, elles sont intimement liées à ce rapport de la Chambre des Lords et à sa commission spéciale qui, 2 ans auparavant, explorait les options pour améliorer la transmission de la culture scientifique auprès du public. Entre décembre 2001 et février 2002, sous la houlette de la baronne Greenfield, la Royal Institution lance des consultations qui posent les bases du Science Media Center. Souvent comparée à l'Académie des sciences françaises, cette société savante autorise cependant, à la différence de cette dernière, l'adhésion d'entreprises privées et bénéficie de dons directs d'entreprises de financement philanthropique américain via son association American Friends. La nomination de Fiona Fox, dont la sœur Claire pilote déjà l'Institute of Ideas, le fameux IOI, comme rapporteur du texte préliminaire, fait grincer des dents. Son absence de formation scientifique est critiquée dans la presse, tandis qu'une main anonyme fait parvenir ses écrits militants aux académiciens. Elle doit se défendre des accusations la visant de faire partie d'un réseau d'anciens du RCP et visant Frank Furdy d'être toujours à la tête d'un RCP fantôme. Elle reste néanmoins à la tête du comité chargé d'auditionner des spécialistes du monde scientifique et médiatique et de rédiger le rapport final. Pour une bonne part, ce comité est composé des membres de la Chambre des Lords, de journalistes et de représentants d'institutions scientifiques. Mais beaucoup viennent aussi du privé, ou bien occupent des fonctions dans des fondations d'entreprise. Outre Lord Dick Tavern, on y trouve Richard Brooke, Unilever, Leverhulme Trust, Sir William Castell, laboratoire pharmaceutique Nicodem Amersham, Paul Dion, directeur exécutif de PowerJect, également laboratoire pharmaceutique, Sarah Roberts, cabinet de consulting spécialisé sur la communication scientifique Van Persie and Associates, Lord Andrew Stone of Black Earth, un consultant pour McDonald's, qui, occupant des positions au conseil d'administration de Marks & Spencer et de Deal Group Media, a voté contre toute réglementation anti-tabac à partir de sa nomination comme père à vie en 1997. La plupart des liens entre les parlementaires siégeant dans le comité et le secteur privé ne sont à aucun moment mentionnés dans le rapport. Parmi la centaine de personnes qu'ils auditionnent, les représentants du privé sont minoritaires par rapport aux scientifiques du milieu universitaire.
Au casting figurent néanmoins des représentants de l'Institute of Ideas, d'Unilever, de la Société Savante de Chimie Industrielle Society for Chemical Industry, du cabinet de relations publiques Porter Novelli et de Ballast Phoenix, incinérateur du BTP, de STEMPRA, un réseau scientifique de communicants spécialisés sur les questions scientifiques, de Huntingdon Life Science, entreprise réalisant sous contrat des tests sur animaux de laboratoire, etc., etc. Le comité donne un certain nombre de gages pour faire taire les critiques. Alors, que sont ces gages? Le futur SMC ne sera pas dépendant de financement public et aucun donateur ne pourra représenter plus de 5% du financement total. L'étude des chercheurs de l'université de Bath, on l'a vu, démontrera quelques années plus tard que ce principe n'a pas été respecté. De plus, le conseil d'administration mis en place est composé de scientifiques influents, de rédacteurs en chef et d'experts en relation avec les médias, et des scientifiques acceptent de siéger dans un panel consultatif. Au cours des consultations, l'orientation à donner à la nouvelle organisation fait l'objet de propositions très diverses. Mais Fiona Fox, future directrice du SMC, insiste sur son rôle proactif en matière de diffusion des informations à caractère scientifique. Les rapporteurs encouragent les chercheurs à se déplacer désormais sur le même terrain que les ONG. Parmi les personnes auditionnées, beaucoup ont le sentiment que la science ferait mieux de tirer des enseignements de leur façon de procéder plutôt que de les critiquer. Certains, dont le professeur Vivian Moses, qui est responsable de CropGen, une firme biotechnologique, le professeur David Cobb de l'Office parlementaire sur la science et les technologies, et Lord Taverne, encore lui, ont fait valoir que le SMC devrait être capable d'identifier des porte-paroles capables de faire preuve de la même passion et de la même force de conviction qu'une ONG en campagne. Pour eux, oui. Non, c'était assez amusant. Oui. C'est pas, ça sera pas la dernière fois qu'on verra les lobbies pro-industriels tenter de copier leurs adversaires. Bah, ça aide aussi beaucoup. Enfin, dès l'instant où on place tous les discours sur un même type de description, un même descriptif. En gros, si vous commencez à appeler ONG des choses qui n'en sont pas en jouant d'une espèce d'ambiguïté de statut, etc., à partir du moment où vous le faites avec des forces qui sont considérables en termes de pouvoir en place, en termes de financement, vous donnez l'illusion d'une symétrie ou d'un dialogue apaisé, égal et bien réparti, alors qu'en vérité, vous avez ruiné toute la possibilité des véritables ONG de s'établir dans leur véritable lutte, quoi. En fait, une ONG, comme ils disent. Parce que ONG, ça veut dire beaucoup de choses différentes. Déjà. C'est déjà assez marrant de ce qualificatif d'ONG. Là. Mais disons une organisation militante. Sa passion pour les thématiques qu'elle aborde, c'est pas une tactique, c'est pas une stratégie. C'est un effet émergent de sa raison d'être, de sa raison d'exister. Voir ça et dire « ils ont l'air passionnés par ce qu'ils font ». Ce qu'il faut, c'est avoir la même passion. Comme stratégie, c'est à la fois d'une énorme naïveté et d'un grand cynisme. Ce mélange de naïveté et de cynisme, là, c'est consternant. Vraiment. Voilà. Pour eux, c'est aux scientifiques de s'adapter et non aux journalistes d'améliorer leurs pratiques ou de les faire évoluer. Le futur SMC devrait se mobiliser quand la une des journaux est investie par une histoire impliquant un élément d'expertise scientifique. Il devrait alors pouvoir fournir en urgence des commentaires de porte-parole clés, des extraits sonores et trouver des non-scientifiques affectés par la controverse. Donc tout ça est entre guillemets, ça veut dire que ce sont des directives. Mais il s'agirait surtout de s'engager dans un dialogue permanent avec les journalistes pour anticiper et planifier la prochaine grande controverse scientifique et être en position de les briefer sur la durée. En résumé, il s'agit de mettre en place une quasi méta-rédaction totalement pro-science, et ce, sans la moindre honte. Le centre fonctionnera comme une salle de rédaction, réagissant à l'agenda de l'actualité, tout en promouvant de manière proactive un éventail d'opinions scientifiques. Il visera à acquérir, auprès des médias, la réputation d'être capable de fournir une réponse rapide, précise et adaptée à leur format. Il s'adressera principalement aux journalistes non spécialisés et aux salles de rédaction qui n'ont pas leur propre journaliste scientifique. Nous y voilà. Première salariée recrutée, Fiona Fox prend la tête du tout nouveau Science Media Center en septembre 2001. Un premier groupe de donateurs, composé d'entreprises privées, fournit 120 000 livres, environ 194 000 euros de l'époque, pour installer le nouveau Science Media Center en plein centre de Londres.
Listées sur le site du SMC en avril 2002, ces mêmes entreprises acceptent de financer ces trois premiers emplois. On y trouve BP et Conoco, groupe pétrolier donc, la compagnie d'électricité British Energy, Pfizer, PowerJet et Smith & Nephew, médicaments, vaccins, dispositifs médicaux, Merlin Bioscience, fonds de capital risque, Dupont, en chimie Dupont, hein, The British Land Company, qui est de l'immobilier, Co-op, commerce de détail, Tesco, grande distribution, le groupe de presse Trinity Mirror, PLC. Des parrains qui marquent une parenté évidente entre le centre et l'Institute of ID. De même que la nomination de Fiona Fox, déjà membre du conseil d'administration de Sense About Science, donne une indication claire au sens du projet. Les concepteurs du SMC dépeignent le monde de la science comme opposé au monde des médias. Le mauvais fonctionnement du journalisme justifie donc la mise en place de passeurs d'un genre nouveau, capables de distiller la bonne science dans la machine médiatique. Les employés du SMC ne sont donc pas que des porte-voix, mais aussi des gardes-barrières d'un genre nouveau, sélectionneurs officiels d'une parole scientifique ajustée aux médias. Ainsi, leur rôle de censeur ne s'exerce pas tant en premier lieu envers les journalistes, dont on contrôlerait l'expression, mais bien en direction des savants, dont certains vont être d'emblée considérés comme de bons ou de mauvais clients. Et les scientifiques les plus pertinents sont ceux qui, aussi, en retour, comprennent les règles du jeu médiatique, soit de courts délais pour les commentaires, un parti pris des médias en faveur de la controverse et du conflit, une focalisation sur les mauvaises nouvelles, le besoin de réponse par oui ou par non, le manque de connaissances spécialisées du journaliste en la matière. Il a été décidé dès le début que le SMC ne produirait pas d'annuaire ou de base de données d'experts à l'usage des médias, ce qui lui permet de garder la main sur la mise en relation entre experts de ses tablettes et journalistes. Ainsi, chaque expert est testé au préalable, face à un panel d'attachés de presse ou de journalistes, d'après l'enquête menée par la chercheuse allemande Simone Röder auprès des employés du SMC. Ne sont retenus que ceux perçus comme compréhensibles et auxquels des semi-profanes n'avaient pas rétorqué « je comprends pas ce que vous dites ». Un point confirmé par les présentations du SMC fait par Fiona Fox en diverses occasions. Les scientifiques et les ingénieurs sont choisis non seulement pour leur expertise éprouvée, mais aussi pour leur volonté et leur capacité de s'engager auprès des médias lorsque les enjeux font la une. À la manière d'une agence de rencontre, nous jumelons les bons experts avec les bons journalistes. Là, je suis pourri, quoi. Voilà. En 2009, les agents fonctionnent sur des algorithmes qui sont construits sur des principes complètement verrouillés d'un point de vue scientifique. Hein. Du bon usage de la métaphore, les gars. Franchement, bref. En 2009, le SMC a doublé ses effectifs et compte 6 salariés. Diverses publications le présentent régulièrement comme une option pertinente de réorganisation des rapports entre monde scientifique et régulateur. Certains savants éprouvent un sentiment de relégation par rapport aux sphères de décision. Les journalistes ont besoin d'être productifs. Le SMC s'est intercalé et installé exactement entre les deux. En répondant simultanément à plusieurs demandes sociales, le SMC constitue une aubaine à la fois pour les pouvoirs publics, les scientifiques et l'industrie. Au nom de la régulation de l'information, les académies des sciences sont devenues les nouveaux territoires feutrés où peuvent pleinement s'épanouir les propagandistes. D'ailleurs, peut-on encore parler de lobbying quand on atteint ce degré de raffinement ? Je crois que c'est la fin du chapitre. C'est dingue, on a fini le chapitre à minuit 27. Oh ! Tu te rends compte de ça? On a écourté l'introduction, il faut dire. Et puis, comme je disais, j'ai eu plus de choses à dire, parce que ça causait quand même politique. ce que j'avais anticipé, mais j'avais quand même moins de choses à dire que j'en aurais au chapitre 8, par exemple. Donc voilà. Ça me prend un peu de cours de terminer aussi. dans le chat, si vous avez des questions, si vous avez des trucs que vous voulez aborder, n'hésitez pas. Ça nous prend un peu de cours de terminer aussitôt. Alors, est-ce que vous avez des questions dans le chat, des questions à poser à Gaël ou des remarques à faire sur ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de lire? C'est vrai qu'on a peu commenté, mais le texte, est très clair, il est limpide. Je pense qu'il se passe. En plus, ils prennent leur temps. Ils répètent aussi plusieurs.
plusieurs fois ce dont il parle. Donc on voit bien se construire finalement une organisation des discours qui ceinture toutes les étapes, et qui mettant en vis-à-vis de toute façon des scientifiques choisis et des journalistes choisis, construisent une espèce de mur auquel il devient très très difficile d'opposer la moindre contradiction. Mais oui, c'est déjà fini, Suze, et oui, et oui. Mais c'est pas plus mal pour une fois, on fait court. Écoutez, moi, ça va me permettre pour une fois de me coucher un tout petit peu plus tôt. À Gaël, de Allez, faire des parties. Je suis sûr qu'il va aller jouer à ces jeux vidéo pendant des heures maintenant. Tu vas faire ça? ah, peut-être un Stellaris ou alors un Stellaris, je ne sais pas. Ah oui. J'ai chopé la démo de... Enfin, comment est-ce que ça s'appelle, les gars? Terra Invicta, je crois. Il y a un jeu de stratégie 4X des plus intéressants. Alors, est-ce qu'on ferait un petit raid? Parce que alors, ce soir, on peut, hein, carrément, là, on peut raider. Qui est là? Qui est en ligne ce soir? Ah, je t'entends plus, Gaël. On va quand même pas s'arrêter maintenant. Personne n'a de questions dans le chat, personne n'a de choses Alors, qu'il voudrait aborder ou voir aborder. Voilà. Suze pariait sur une douleur au bras. Tu as bien parié, hein, tu sais. J'ai le bras complètement ankylosé, je crois que je ne vais pas dessiner pendant un mois. Ce qui fera pas de mal, ça évitera d'envahir le monde avec mes bandes dessinées ineptes. C'est pas vrai. C'est un des auteurs de bandes dessinées les plus passionnants de mes chers en vie. agneaux, je vois même pas comment s'appelle la marionnette, mais c'est Gaël, tu ne l'avais pas reconnu. Il n'y a même pas de gens que j'ai envie de raider là en ligne. J'ai pas d'idée, je vois personne. Tout le monde fait dodo. Enfin, tous les gens qui. Ou il y a peut-être des gens que je connais pas. Vous avez des suggestions dans le chat de gens à raider? Non, bah ouais, c'est aussi c'est assez curieux, mais Je suis vraiment désolé. On va juste vous dire bonne nuit alors. C'est ça qui va se passer. Hein, c'est ça qu'on va faire, Gaël. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on va vous dire bonne nuit. Bonne nuit, les petits. Oh. c'est dur. Quelqu'un qui propose de parler hérésie, Glitch qui propose de parler hérésie au chat. Ouais, ça m'intéresse pas beaucoup. Hein. Ouais, mais on va pas commencer un nouveau sujet. On peut Un sujet raider. pas sur... multiple en plus. On n'est pas du tout dans le même rapport à la question de l'hérésie, c'est même pas la même question. Le concept d'hérésie au moment des pères de l'Église et au moment de sa réémergence en Occident, entre le 10e et le 11e siècle, on a complètement changé de perspective sur ce qu'est l'hérésie. Rien que ça, c'est passionnant. C'est vrai. Moi, je suis trop versé dans le, dans la, dans les. Dans l'histoire alto-médiévale, il y aurait forcément plus de choses à dire sur le Moyen-Âge classique. Mais. Non. Ne les encourage pas. Clint, non, on ne va pas parler du Moyen-Âge maintenant. On fera ça bientôt. Promis, on y reviendra. Moi, je veux bien raider des entre-deux. Ça fait très très longtemps en fait que j'ai pas fait ça. Donc on peut faire ça après tout. Ça pourrait être sympa. Il faudrait que je me retrouve au bon endroit du bazar là. On va faire ça. Allez, on va aller raider des entre-deux. Vous allez dire bonsoir Poliment. à des entre-deux. Et moi, je vais vous dire bonne nuit. Il faudra déjà que ça marche. Pour l'instant, ça broute terriblement, comme d'habitude. Comme à chaque fois que j'essaie de lancer un raid, ça broute terriblement. Mais on va faire ça. Moi, je vous dis à bientôt. Le prochain live, je ne sais pas sur quoi. Je ne sais pas par quoi je vais commencer la prochaine fois. J'ai plusieurs projets, notamment poursuivre sur l'histoire avec Jean Wirth, la position du créateur au Moyen Âge. Comment elle est pensée? Est-ce qu'il existe déjà une figure de l'artiste? Qu'est-ce qu'elle signifie au XIIIe siècle? Comment elle est énoncée? Comment elle rentre en relation avec la figure du Deus Pictor? Est-ce qu'elle les dérive de la figure du Deus Pictor ou est-ce qu'elle vient d'autre chose? Et quels sont les théologiens, les intellectuels pour qui ça signifie quelque chose de singulariser la position artistique. Voilà, on pourrait faire ça. Ça pourrait être le prochain live. Et quand Déjà, personne t'entend à part moi, mais ouais, carrément. Alors, moi, je sais pas si le raid est parti, en fait. J'en sais rien du tout. J'ai pas l'impression que ça ait marché. Et si ça n'a pas marché, eh ben, tant pis.
Alors, je vous dis bonne soirée, bonsoir, bonne nuit. Si vous êtes bien chez Des Entre-deux, bah, dites bonjour de ma part. Et à bientôt.